Hey, salut à tous, c'est Exerve, bonsoir tout le monde, bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre pour un nouveau live sur Elden Ring, ça me fait extrêmement plaisir de terminer cette journée avec vous. J'étais
Je vois enfin la lumière au bout du tunnel après les semaines à passer sur un tas de jeux. Puisque du coup, bon, maintenant j'ai le droit de le dire. Voilà, j'avais Dragon's Dogma et Rise of the Ronin depuis un petit bout de temps. Le test de Rise, ça sera demain à midi pour l'embargo. Ça, j'ai le droit de vous le donner. J'avais pas le droit de vous donner l'embargo de Capcom. C'est pour ça que je l'ai jamais dit. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui me le posaient la question sur le chat. C'est quand le test de Dragon's Dogma 2 ? Techniquement, je suis même pas censé vous dire que je l'ai. C'est un secret de polichinelle, mais voilà. Toujours est-il que ça fonctionne comme ça. Et du coup, ben voilà, on a fini. Hein. On aura fini le tunnel des open world habituels. Et on va pouvoir retourner sur un autre open world avec Elden Ring. Comment vous allez, tout le monde ? Moi, ça roule, je sors tout juste de la douche. Hop ! Histoire de commencer tranquillou. Ouais, mais je suis décalé en fait. Je suis pas assis comme je suis d'habitude, vous voyez, c'est ça. Je faudrait que je mette, comme au cinéma, faudrait que je mette du gaffeur au sol pour savoir où je dois être. Ça va super. Vraiment très content. J'anticipais. Putain, le flash, quoi. Je le vois là sur les caméras, c'est terrible. J'anticipais la sortie là du test de. De Dragon's Dogma, et ça s'est très bien passé. Donc je suis très content. Bon, après, il faut savoir que j'ai ban pas mal de gens qui m'ont insulté sous la preview. Donc peut-être qu'ils ne peuvent pas tout simplement poster sous la review. Mais voilà. On verra évidemment ce que ça donne. Et donc, ben, on va continuer tranquillement Elden Ring. Comme vous vous souvenez, j'étais vraiment en mode papillonnage. Je pense que c'est vraiment une bonne façon de fonctionner dans ce jeu. C'est assez agréable, en fait, de juste pas trop se prendre la tête, d'avancer tranquillou. J'avais fait les geôles. J'ai pas fait le château de Morn, mais bon, j'ai rien de spécial à y récupérer, parce que l'épée, elle est cool sans plus. J'avais chopé des petites choses, là, à Kaelid, mais sans plus, pareil. Et je m'étais dit que j'allais soit aller faire le château, soit je vais peut-être la galerie cristalline. Ah bah je l'ai déjà faite en fait, donc je peux aller plutôt maintenant là-bas. Je fais la maison, Raya Lucaria. Non, je pense que je vais effectivement aller faire la... On va aller se faire l'académie tranquillement. Alors normalement c'est même du 1440p hein, les lives vérifiés. Faudra que je teste. Il faudra que je teste en 4K, j'ai juste peur que cet été, la chaleur soit pas forcément adaptée. Je peux pas installer de clim dans mon bureau, puis bon, c'est pas super écolo. Et on verra ce que ça donne. Je vais rapprocher le micro, comme ça je peux vous lire. Ah, j'ai une graine là, ici, à récupérer. J'en suis où de mon perso ? C'est une bonne question, il est niveau 50, 46. Voilà, je suis toujours dans le début du jeu, quoi. Tranquillou bilou. J'ai pas d'objectif d'exhaustivité particulier, je vais pas forcément faire toutes les quêtes, tous les machins. En théorie, ça ne devrait pas poser problème pour le jeu, pour le DLC. Ça serait vraiment trop segmentant, en fait, qu'ils exigent de nous qu'on teste, qu'on ait fait certaines quêtes ou certains trucs. Donc je pense que c'est pas forcément très très grave. Et après, tant que j'ai pas fait Radahn, a priori, je peux aussi m'amuser à faire certaines quêtes. Donc peut-être que ça vaudra le coup de faire un demi-tour à un moment donné. On verra. On verra en fonction de l'humeur. Alors, le build de glace pour le DLC, Ikimoz, je pense que tu dis ça sérieusement, mais... Je confirme en fait tes dires, c'est une très bonne idée. Hein. L'effet de glace, c'est probablement l'effet le plus puissant du jeu, parce que ça augmente les dégâts de toutes les sources de dégâts, sauf les dots. Mais voilà, pour tous les dégâts directs, ça augmente de 20% les dégâts, et 20% more damage, c'est énorme. C'est vraiment un boost qui est énorme. Est-ce qu'il y a moyen de softlock le DLC ? Non. Pas dans les précédents jeux. Est-ce que je suis tenté par du random Elden Ring ? Je l'ai déjà fait. Désolé, je suis en avance sur les modes. Non, je l'avais fait au moment de la sortie, parce que les modes étaient sortis très très tôt. Vous voyez, je vais aider Yura, parce que ça, sa quête à lui, je l'aime bien. Et ça me permettra de récupérer son katana, parce que ben,
J'ai toujours justement dans l'idée de partir éventuellement sur une autre idée de katana de glace. Donc un katana pur saignement. Bien joué. Je regardais pas trop, vous voyez. J'étais pas... Allez, je vais me concentrer. C'est vrai que c'est le genre de jeu où il faut se concentrer. Portacier Gaming me dit, qu'est-ce que tu me recommandes comme lecture pour suivre l'actu JV? Je m'inscris à des newsletters maintenant. Je lis plus les sites. Je me suis inscrit à la newsletter quotidienne d'Eurogamer, qui est un des rares sites de presse que je lis. Sinon, il y a la newsletter de Stéphane Totilo, qu'il a lancée tout seul de son côté. Et celle de... J'en ai trois. J'ai trois newsletters pour l'histoire. Et je crois que j'ai celle d'Axios Gaming, que j'ai gardée, même si c'est plus justement Totilo, le journaliste qui l'écrit. Donc c'est des newsletters anglaises. En newsletter française, vous avez la newsletter de... Koub. Un type de canard PC, qui est très bien. C'est trop, d'ailleurs, j'ai arrêté de la suivre parce qu'il donne trop d'infos. Ça me fait peur à chaque fois. Je vais vous retrouver ça pour lui faire sa pub. C'est la newsletter de Koub. Je vais vous donner le lien sur son Substack. Voilà, si vous voulez vraiment l'intégralité des news en français... C'est quelqu'un qui, tous les jours, fait un listing absolument dantesque. Hein. S'il y a un obscur jeu japonais qui publie trois screenshots, il va en parler. Moi, en fait, depuis que j'ai arrêté Twitter, je me suis réinscrit à des newsletters. Je préfère largement ce format-là. Parce que déjà, je peux le lire à mon rythme, mais je suis pas obligé d'avoir les yeux rivés sur la matrice ou sur une liste pour pouvoir suivre. Et ça évite les dramas Twitter. Parce que bon, Twitter, maintenant que c'est vraiment une plateforme d'extrême droite, honnêtement, j'ai juste vraiment plus envie d'y aller. À chaque fois que je vois des extraits de ce qui se passe là-bas ou de ce que Musk dit, je suis là outré. Mais bon, bah voilà, j'ai bien fait de partir. Que j'aime pas le PVP dans ce jeu. Hop. Ah, pardon. Tac. OK. Et après, normalement... Oui, voilà, il est juste à côté. Oh, c'est toi. That bloody finger was a thorn in my side. Here's a token of thanks. Je sais pas encore, Alexandre, pour le changement d'arme. Pour l'instant, je suis bien, là, comme ça. On verra bien. Qu'est-ce que je pense des nouvelles armes du DLC? J'en sais rien, j'ai pas regardé. Désolé. Est-ce qu'ils vont les rajouter en dehors du DLC?
Ça me surprendrait. C'est pas dans leur habitude. Ils font pas comme ça d'habitude, mais c'est possible. Je sais plus. Je sais qu'il y a un truc à récupérer là avec le. Le croc du. Enfin, le type qui a le croc du limier, mais. Plus le marchand. Non, je ferai pas de guide de Dragon's Dogma 2. Alors, blague à part, j'y ai pensé à faire un guide de Dragon's Dogma 2 parce qu'en fait, il y a vraiment des informations qui sont essentielles à avoir et que le jeu ne donne pas. Et qui sont... bah, c'est dommage, en fait, tout simplement. C'est juste dommage qu'elles soient pas données. Donc j'avais vraiment pensé à faire une sorte de guide pour bien débuter, des petites astuces pour vous rendre le jeu le moins complexe possible. Parce que c'est vraiment un jeu qui a probablement un des onboardings les plus ratés que j'ai connu depuis longtemps. Parce que bah c'est exactement comme c'était le cas il y a 12 ans, de toute façon. Et du coup c'est dommage parce que ben ça rend le jeu encore... déjà que le jeu n'est pas dit facile à aimer sur la durée. Si tu rajoutes en plus ça, c'est compliqué. je savais que ça ferait rire des gens la fin de la vidéo de Dragon's Dogma 2. J'avais fait exprès de garder... J'en ai plein des captures de moments à la con et de fail comme ça. Mais je me suis dit qu'il en fallait un rigolo pour conclure la vidéo. L'onboarding, ah oui pardon, désolé, j'utilise du jargon de jeu vidéo. En fait, pendant longtemps, on parlait de la First Hour Experience. Le terme plus général, c'est l'onboarding d'un jeu vidéo, c'est-à-dire la façon dont le jeu vidéo va t'accueillir. Le terme est repris de l'aviation. Tu sais, c'est quand tu arrives dans l'avion, tu as une hôtesse ou un steward qui va te montrer, voilà, c'est par là, votre rangée, c'est l'attente, etc. Et donc, on parle d'onboarding, puisque du coup, c'est la façon dont le jeu va t'accueillir et te présenter ses mécaniques, son univers, son lore, etc., etc. Bah, si Elden Ring est sorti sur Play 4, là je t'avoue que je suis pas sûr et certain de ça. Il devrait sortir aussi, il n'y a pas de raison. Non, je fais pas de compilation, de fail, de tout ça. Je ne suis pas... je sais que ça se fait beaucoup, mais je ne suis pas... not my YouTube. Est-ce qu'il y a des chances que le jeu soit amélioré? Non. Non, non, parce que bah, mes critiques sont probablement isolées. J'ai vu le score Metacritic, on est assez élevé. Alors après vous me direz, le score Metacritic de Cyberpunk est très élevé. Oui, mais c'était une circonstance unique, puisqu'ils avaient volé le score, ils avaient arnaqué le système Cyberpunk. Et là Capcom a été réglo comme d'habitude. Donc non, il n'y aura pas ça. Et puis Cyberpunk a été modifié sur des problèmes techniques, il n'a pas été modifié pour des problèmes de jeu. Les critiques que j'ai fait de Cyberpunk sont pas des critiques techniques. Les bugs de Cyberpunk, ma fameuse épitaphe, le problème de Cyberpunk 2077 ne sont pas ces bugs. Onboarding. Tu boardes on something. C'est juste de la grammaire anglaise, hein, ça. T'as pas vu ma réponse? Sur quoi? Sur Sekiro Bloodborne? Je sais pas quelle était la question, excuse-moi. Si c'est les questions, qu'est-ce que tu préfères? Je vous avoue que je les ignore, en général. Parce qu'on me les pose 1000 fois par live. Depuis... Je stream depuis... J'ai vérifié, je faisais partie des... Pas des tout premiers, mais je faisais quand même partie je devais être là dans la première année de Twitch. Donc j'y suis arrivé en 2012 ou 13, un truc comme ça. Ça fait 12 ans que je stream. Oui, c'est pas que employé dans le jeu vidéo, on est complètement d'accord.
Est-ce que j'ai entendu dire qu'il y avait des hackers qui jouent dans Elden Ring? Oui, c'est vrai. Je joue jamais en ligne, mais oui, tout à fait. Est-ce que c'est mon truc, le katana avec la magie? Alors le katana, j'ai un peu de mal, moins dans Elden Ring que les autres, mais j'ai toujours un peu de mal avec les armes Dex. C'est mon côté force. Si tu parles du katana Moonveil, c'est juste que je l'ai essayé à la sortie. Ça faisait partie des candidats pour mon guide. J'ai préféré le croc du limier parce qu'on l'avait, on l'a attrapé plus facilement et plus vite. Mais oui, ça fait partie des très très grosses armes qui sont OP dans le début du jeu quoi, de Elden Ring. Même sur la durée, le Moonveil, je pense qu'il reste compétitif. Hein. J'ai zappé un item précieux. C'est possible. Ben, je pense qu'ils ont respecté les fans, en fait. Enfin, tu vois, ils ont respecté une fraction... vu le nombre de gens qui m'ont insulté sous ma preview, je pense qu'ils ont respecté les fans qui voulaient l'immobilisme, en fait. Les joueurs de jeux vidéo sont... Il y a une fraction des joueurs de jeux vidéo qui sont très réac, hein. Ils veulent pas de changement, pas de nouveauté. Il suffit de voir l'énième controverse actuelle, hein. C'est quoi, c'est Gératé? Il y a un mur caché, non? C'est ça? Il y a un mur invisible ou quelque chose? Ouais! C'est pas grave, hein, les répétitions, c'est juste que, bah, du coup, j'ai le droit de ne pas répondre des fois, ouais. Où est-ce qu'il y a un mur? Je sais plus où il est. J'essaye de m'en souvenir. Le mur contre une lampe. On va taper les murs, hein. Plus vers l'entrée. Ah oui. Alors qu'est-ce que j'ai raté de si important? Ah bon. Ok. Merci pour l'info. Ouais, c'est l'Académie Anatole, tout à fait. Et bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui arrivent. Est-ce que j'utilise encore le PS Portal? Non. Non, je l'ai même jamais utilisé. Je l'ai utilisé pour le test, c'est tout. Il prend la poussière, tranquillou. Je l'ai mis avec le PSVR 2. Salut Ariane. C'est rigolo parce que je suis vraiment beaucoup plus à l'aise dans les niveaux Legacy, ce qu'ils appellent les donjons Legacy que l'open world. Je préfère vraiment cette structure de niveau-là. Je pense que je sature vraiment des open world, c'est... Ah merde. Non, il va me voler mon mana. Merde. Faut que je regarde le jeu et pas que le chat. C'est ça, le secret. Voilà. Top 10 des secrets des streamers. Le 8ème va vous surprendre. Ah. Ouais, j'ai ce côté étouffant, on est d'accord RGB, sur le côté open world. Je l'aime beaucoup, je le trouve très beau et tout, mais c'est vrai qu'il a un côté... il a un côté étouffant. Alors non, parce que si tu fais top... Ah oui, top 8, le 10ème va vous surprendre, j'avais pas compris la blague. J'avais lu autre chose. C'est con. C'est con, mais c'est drôle. Ah, il y a un chemin, là. Vous le connaissez, celui-là, ou pas? Salut. Je crois que je le connaissais.
Ah oui, je devais me laisser tomber. Oui, je le connais. C'est juste que je me laissais tomber à un autre endroit. Hop, bonjour. C'est là où on va au pantin, je crois. Il y a les deux pantins arbalétriers là-haut, là. Ouais. Par contre, j'ai raté leur... Je crois que c'est leur cendre. Ça se trouve, je vais être dans les remerciements d'Ariane pour son bouquin. Oh putain, le petit freeze. Non, j'ai eu peur. Le petit freeze, tu sais, t'as l'écran qui freeze à 2 secondes du moment où t'es au bord du précipice. Ça fait peur. Bah alors, pourquoi j'ai des petits frises comme ça? Ça m'inquiète. Il y a vraiment un très très bon flow dans les combats là, quand t'arrives à enchaîner les parades, enfin les contre-attaques plutôt. Mais c'est pour ça que ce genre de bouclier est vraiment à recommander. Plus encore que les petits. Parce que le fait que les ennemis rebondissent dessus, ça donne tout son sens au fait de bloquer une attaque en fait. J'ai raté le... Il me semble qu'il y a l'armure du chevalier de Rayal Lucaria qui est par là. Ah oui, elle est là. Moi j'ai déjà joué à Rise of the Ronin, il y a Montes qui sort demain à midi. PlayStation envoie les jeux souvent très en avance, c'est extrêmement agréable de leur part, c'est vraiment... c'est un confort inimaginable pour nous. Et c'est double confort parce que c'est le seul studio, enfin, qui a généralisé le truc, il y en a d'autres qui s'y mettent, mais c'est les premiers à l'avoir fait, qui nous autorise en fait à vous dire qu'on a le jeu et qu'il y a un embargo. On dit juste, voilà, vous aurez mon test tel jour, et comme ça, vous le savez. Et c'est vraiment très agréable, parce que moi, je trouve ça chiant de faire genre, je joue à quelque chose, je ne vous dis pas ce que c'est. Ça me fatigue, donc j'aime bien dire aux gens, voilà, vous aurez mon avis tel jour, telle heure. Je trouve ça très agréable. Je sais pas dans quelle mesure ça fait partie de leur stratégie. Non, mais là j'en viens. Genre, est-ce qu'ils demandent au studio d'être prêt quelques semaines en avance pour envoyer aux reviews et du coup ils déterminent leur date? Hop, re tout le monde, petite coupure. Bon, j'avais effectivement des petits soucis d'internet, mais ça a l'air de fonctionner. Là, juste redites-moi si vous m'entendez bien. Nickel, super. Merci tout le monde. Hop, une nouvelle magie gravitationnelle. Est-ce que je pense que le terme test est un vestige du passé? Oui. Oui, oui. Le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des tests et d'autres gens qui font des critiques. Et la différence entre les deux n'est pas forcément évidente. Et l'industrie du jeu vidéo n'est pas
pensée, en fait, pour accepter des critiques, dans le sens des vidéos analytiques. L'industrie du jeu vidéo, elle est plus câblée de manière à ce que qu'un test de jeu vidéo, ça soit, c'est comme je le disais hier ou l'autre jour, c'est le rouage de la machine marketing, en fait. Un test, c'est juste ça, il faut qu'on accepte, en fait, de faire partie de la machine marketing, tout simplement. Ah oui, la webcam, elle est pas en très gros. C'est vrai que comme je suis peut-être en 1440, je pourrais la mettre plus grand. J'y ai pas pensé, mais c'est pas forcément une mauvaise remarque, Joe. Mais c'est vrai que... Merde. Fallait que je saute. Bon, bah tant pis. Adieu. Hop. Je vais éviter la Vierge de Fer parce que je vais aller récupérer les items. Oui, je suis très curieux de Death Stranding 2. Pas pour l'histoire, parce que je me ferai pas avoir une deuxième fois. Mais par contre, le gameplay du 1 était incroyable, donc j'ai le peu d'images que j'ai vues de Death Stranding 2, c'était des paysages qui m'ont fait rêver. Donc moi, ça me parle à fond, ouais. Après, le terme de test, il faut pas le prendre au premier degré, en mode, c'est pas le test d'une machine à laver, quoi. Ah merde. Bon bah au pire je vais aller au manoir. Ou pas. Non, j'ai pas besoin de me faire manger parce que j'irai plus tard au manoir. Mais oui, mon avis, moi je pense que j'utilise encore le terme de test pour des raisons purement de SEO et d'algorithme. Parce que les gens tapent test, parce que les gens tapent avis. Il faudrait que je vérifie en fait, il faudrait que je regarde les recherches pour savoir est-ce que les gens cherchent plutôt un test ou un avis ou une critique ou bien autre chose, tu vois. Après, c'est pas important parce que ça pour moi c'est de la sémantique. Ce qui me gêne plus que le terme qu'on va utiliser quand on parle d'une critique ou d'une analyse d'un jeu vidéo, c'est que justement, en fait, c'est rarement des analyses, c'est souvent des avis. Et en fait, ce qui me gêne, moi, et je suis en train, comme je l'ai déjà dit, de bosser, là, j'essaye de vous préparer ça peut-être pour la fin du mois, une vidéo un peu de contexte où j'explique, moi, ce que j'ai comme vision de ce qu'est un test et comment je fais, c'est-à-dire mon process de travail. Et... Ah mince, je pensais que je pourrais faire comme ça, bah tant pis. Et donc, ce qui me gêne, c'est que souvent, même s'il y a des gens qui vont prendre un peu de recul, etc., dans les faits, c'est beaucoup d'affect. Et a fortiori, avec aujourd'hui la mode des youtubeurs et des influenceurs, c'est beaucoup des gens qui font parler que l'affect. Or, pour moi, un test, comme je vous le dirai dans la vidéo, c'est une combinaison de trois choses qui sont interconnectées et qui sont pas, qui sont indissociables. C'est l'émotion, l'expérience et la prise de recul. C'est comme ça qu'on fait un test de jeu vidéo. On fait un test de jeu vidéo parce que c'est un truc qui nous fait ressentir des choses. On fait un test de jeu vidéo parce qu'on a déjà joué à d'autres jeux vidéo ou pas. Et donc on dit ce qu'on en pense par rapport aux autres et on prend du recul sur ça pour savoir si le jeu il apporte quelque chose ou s'il est intéressant ou pas. C'est comme ça que moi je fais les choses. Hein. C'est moins. On peut pas avoir que des faits parce que de toute façon, c'est pour ça que je dis que l'émotion peut pas être dissociée. Il n'y a pas d'objectivité dans un test de jeu vidéo. L'objectivité, c'est Digital Foundry. Si vous voulez de l'objectivité, vous allez chez Digital Foundry, ils vont vous dire combien il y a de pixels à l'écran. Ils vont vous dire, c'est bien, il y a plus de pixels que cet autre jeu. Voilà. Mais c'est tout. Ça se limite à ça. Le reste, c'est forcément de l'émotion. Et les gens qui parlent d'objectivité alors qu'ils sont en train de m'insulter parce que j'ai pas aimé leur jeu, c'est d'une ironie sans fin, quoi.
Moi j'aime bien Mons, hein, c'est sympa. C'est sympa, c'est une ville un peu... C'est une ville étudiante, donc il y a un côté sorti de la vie étudiante, il n'y a pas grand-chose. Tu sens qu'il y a quand même des quartiers qui sont morts. Mais c'est sympa, je suis content, j'y retourne tous les ans. Hein. J'ai jamais dit que Dark Souls 2 était raté, j'ai dit que c'était le moins bon de tous. Non, ils ont pas besoin de le faire, Digital Foundry, mais c'est juste que, c'est ce que je dis, c'est que si vous voulez de l'objectivité, les seuls tests objectifs de jeux vidéo, c'est Digital Foundry quand ils vous disent, ben, ça tourne à tant de FPS, voilà, tel framerate, tel machin technique, je sais pas quoi, moi j'y connais rien, je m'en fous en plus. C'est tout, c'est juste ça que je dis, je suis pas en train de les dénigrer, hein. Je dis juste, si vous voulez de l'objectivité, c'est la seule qui est possible et qui existe, le reste, ça n'existe pas. J'avais croisé quelqu'un dans une friterie qui m'avait reconnu à Mons, qui avait halluciné justement. J'étais allé dans la friterie chez une qui est connue à côté du marché aux herbes. Comment elle s'appelle? Mais elle prétend être la meilleure friterie de Mons, alors j'y étais allé évidemment. Bah on doit se capter avec Yamato, ça fait longtemps, mais comme on évolue plus vraiment dans les mêmes cercles et qu'on n'habite pas au même endroit, etc., c'est compliqué ouais, de prendre des news. Je suis désolé parce que du coup je parle depuis 5 minutes, j'ai dû rater un truc comme 23 questions. Ouais, ça devait être chez Billy, ouais. Ou un truc comme ça. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'étais sur mes histoires de tests. Donc voilà, en gros, un test de jeu vidéo ne peut pas être dissocié d'une réponse émotionnelle. Parce que bah, c'est un jeu vidéo, il y a forcément une part d'émotion. C'est normal, c'est attendu. Bon, à part si c'est de la pure simulation, mais... Et encore, même de la simulation, ça fait plaisir, tu vois. Je pense que les gens qui vivent leur meilleure vie sur Assetto Corsa ou je sais pas quoi... Justement, ils kiffent leur vie, quoi. Pire passage du jeu. C'est Ikaruga, tu sais. Dodonpachi. Ouais. Bon, on s'en fout. Je viendrai récupérer mes runes et puis passer à autre chose. Ah, ça fait des années que je suis plus du tout les speedruns Ebisu. Donc c'est normal que je sois pas au speedon ou au truc comme ça. Ouais, moi j'aime bien les shmups, ouais. J'ai eu ma période hein, où j'y jouais beaucoup. Et là j'attends beaucoup Signy, j'en avais parlé sur la chaîne. Est-ce qu'on peut contre-attaquer de la magie? Fais de la magie, toi. Ouais, on peut contre-attaquer de la magie, d'accord. Merci beaucoup, Dreamizy. Je suis vraiment super content là de la réception. Je sais que ma vidéo preview, ben, j'étais vraiment sous le coup de l'émotion. Je l'ai écrite en sortant de chez Capcom, quand je suis allé le tester là. Et c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais de temps en temps, je trouvais que justement c'était bien de laisser parler un peu le cœur, entre guillemets. Et bon, la plupart, enfin l'écrasante majorité des gens ont capté ce que je disais. Il y en a évidemment qui l'ont mal pris, mais dans l'ensemble, ça allait. Non, je l'attends pas plus que ça, Black Myth Wukong. Est-ce que je serai à la GA? Gamer Assembly? Non, j'y suis jamais allé, je sais même pas ce que c'est.
Oui, il y aura un Ghost of Tsushima 2, c'est sûr et certain, ils l'ont dit, je crois même d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'en attends? C'est une bonne question. Je me suis pas posé la question, en fait. Ouais, moi j'aime bien prendre des notes au fur et à mesure, mais c'est bien, vous allez m'aider à continuer d'écrire et de réfléchir à ma vidéo et à la structure. J'aime bien écrire, j'aime bien prendre des notes pendant que je teste des trucs. Je prends beaucoup de notes, je fais des captures. Et après, de toute façon, en général, un jeu vidéo, au bout de 2 ou 3 heures maximum, je sais déjà ce que je vais en dire. Et j'y joue encore un peu plus pour affiner, mais c'est très très rare. C'est excessivement rare qu'un jeu ait besoin de plus de temps pour être testé. Dragon's Dogma fait partie des rares exceptions. Il y avait FF7 Rebirth, qui était relou pour ça en fait, parce que c'est un jeu que t'es obligé de finir pour le tester. Parce que bah, je voulais savoir ce qui se passe à la fin. C'est excessivement rare les jeux où je trouve que savoir ce qui se passe à la fin, ça change quelque chose. Je peux pas vous dire si j'aime ou pas Rise of the Ronin. Je pourrais vous le dire demain à midi d'ailleurs. C'est tout. Bah quel accueil hein. Et donc, ben oui, ben je prends des notes, je fais mes captures, parce que ça c'est plus pour le process de création des. De rédaction des tests, puisque j'écris. Et après, ben, je joue au jeu, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. À part si un jeu va durer moins de 15 heures ou 20 heures, en général, je joue. C'est très rare que je joue plus de 20 heures à un jeu vidéo avant de le tester. Mais quel enfer! Je joue très rarement à des jeux multi. Je sais pas ce que vous voulez savoir d'autre comme... Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir sur les tests? Ah merde, je voulais faire une roulade mais j'avais le bouclier levé du coup il y a un petit délai. Est-ce qu'il y a un jeu sur lequel tu n'as pas pu écrire un test tellement tu n'as pas pu y jouer? Non, ça m'est jamais arrivé. Non, non, j'ai fait un test d'Elex, donc c'est possible. Son économie? Je comprends pas. Non, il y a rien qui a changé de fondamental dans Diablo 4. Je joue jamais autrement que pour le travail. Le jeu vidéo, c'est mon travail, c'est mon boulot.
Super. Put. Petit un PV qui fait plaisir. Il est tellement plus facile que la version Reforge, c'est ouf. Ah, j'ai pas récupéré mes... Ah ouais, j'avais pas que récupérer mes runes. Ah oui, je me disais j'en avais quand même deux ou trois. Oui, oui, bien sûr, je ferai du Nord-Est for the Wicked, vous inquiétez pas. Ah non, je ferai jamais ça, Dreamizy. Je m'en fous de la technique. Vraiment, j'en ai rien à foutre de la technique dans un jeu vidéo. En fait, tant que le jeu est jouable, ça veut dire que la technique ne me gêne pas, donc j'en parle pas. Ou je le mentionne, mais ça va rien changer à mon avis. Non, non, Elex, c'est pas le pire jeu, mais c'était pas, j'ai pas aimé du tout, quoi. Et c'est que c'était horrible à tester. Bah oui, je suis en train de travailler, là, Jocinda. Est-ce que mon avis va être influencé par l'histoire du studio? Oui, tout à fait. Évidemment. C'est ce que je disais sur, tout à l'heure sur le côté expérience, en fait. Le fait que, tu vois, quand Capcom sort un jeu qui est identique à un jeu qui est sorti 12 ans plus tôt et qui ne prend pas en compte ce qui s'est fait dans les mêmes genres depuis, bah, je vais le dire. Tout simplement. Je vais tout simplement le dire. Est-ce qu'on perd l'émerveillement? Alors non, jamais. J'ai jamais perdu l'émerveillement, c'est juste que c'est différent, tu vois, c'est juste que j'ai pas le côté... Moi j'aime pas le côté Happy Press, tout est super génial, waouh, etc. à crier, parce qu'en fait, ben, je regarde le jeu vidéo d'un œil peut-être plus analytique, plus froid, mais moi ça me fait kiffer, en fait, tu vois, c'est ça que j'aime. C'est ma façon à moi d'apprécier le truc, ça veut pas dire que c'est la bonne façon ou que c'est la seule façon. Et tout le monde a le droit de faire comme il ou elle veut. Mais moi, je le fais comme ça. Mais j'ai pas perdu la passion. Je pourrais pas jouer à des jeux vidéo tous les jours de la semaine si j'avais pas, si j'étais pas fanat de jeux vidéo. Au contraire, j'aime beaucoup plus le jeu vidéo maintenant que je l'aimais quand j'étais gamin. Le fait de le comprendre et de savoir comment ça fonctionne, ça a vraiment rendu ma pratique du jeu vidéo beaucoup plus intéressante. Alors, ça veut dire que j'aime moins de choses parce que je suis plus difficile. Maintenant, est-ce que c'est grave? Absolument pas. Est-ce que je me fais jamais taper sur les doigts? Je veux dire, autrement que par les centaines de gens qui m'insultent au quotidien? Non. Non, après, de toute façon, c'est jamais fait de manière directe. Je sais que du jour au lendemain, j'étais plus... avant, il y a très longtemps, j'étais dans la... Alors, c'est un truc, vous savez peut-être pas que ça existe. Mais souvent, les gros studios, ou certains studios... Ils font souvent des versions de leur jeu avant de faire des bêtas ou des publics ou des... Comment ça s'appelle? Avant de faire ce qu'on appelle... aidez-moi. Des playtests avec des personnes un peu random qui viennent donner leur avis. Ils font souvent des versions ce qu'on appelle Family and Friends. Où en gros c'est un peu le cercle privé qui teste le jeu en premier, qui découvre. Et je faisais partie de ça dans, chez CD Projekt il y a longtemps. J'avais testé... J'avais testé le Gwent, j'avais vu des trucs sur The Witcher en avance, etc., etc. Et depuis, une certaine date du mois de décembre en 2020, bah plus jamais. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein, c'est pas se faire taper sur les doigts de ne pas être invité, c'est juste, voilà, c'est la réponse classique où tu te fais ghoster par les gens, voilà. Ah mais si, complètement Aurélien, c'est bien de le dire, justement, je suis beaucoup plus mesuré dans mes reproches que je peux faire à un jeu vidéo maintenant que je sais comment ça fonctionne. Alors, j'aime pas l'idée qui voudrait qu'il faut pas dire du mal d'un jeu parce que c'est pas respecter les gens qui ont travaillé dessus. Moi, je pense l'inverse. Il faut respecter les gens qui ont travaillé dessus, donc il faut leur dire quand ils font de la merde. Moi, j'aime quand on me dit que je fais vraiment de la merde, et si je me rends compte que c'est le cas, ben, ça me permet d'avancer. Donc, je pense qu'il faut dire quand il y a quelque chose qui va pas. C'est pas respectueux de mentir. Hmm.
Mais savoir comment on fait les jeux vidéo, oui, ça a rendu mes critiques et mes propos beaucoup plus intéressants. En tout cas, j'espère que ça se ressent dans les vidéos. Si vous regardez mes vidéos d'il y a très longtemps versus celles de maintenant, c'est pas tout à fait le même délire. Ah merde. Je pensais avoir roulé. Oui, bah c'est tout ce que je peux vous garantir, le M. Je le dis littéralement demain dans ma vidéo sur Rise. Mais merde, je pouvais pas rouler, j'étais bloqué. Bon, tant pis. Non mais j'aurais pu, tu vois, j'aurais pu avoir accès à la... J'aurais pu par exemple avoir accès à la version, au DLC de Cyberpunk 2077. J'ai pas eu de preview, j'ai pas été invité, j'ai rien eu. J'ai même pas reçu de communiqué de presse. Bon alors après j'ai appris entre temps qu'ils avaient supprimé le poste de chargé des relations presse en France. Parce qu'ils ont revu leur ils ont viré des gens quoi. Donc ceci explique aussi peut-être cela. Très chiant cet ennemi. Après, c'est très difficile de critiquer un jeu, de dire qu'un truc ne va pas dans un jeu vidéo. Je fais vraiment très attention à ce que j'écris. Je parle pas des réactions. Des gens qui le prennent personnellement ou qui m'insultent et tout, parce que ça, bah, c'est des gens... En plus, enfin, en vrai, j'ai du mal à en vouloir aux gens qui m'insultent quand je sors un test. Il y en a que je vais trouver vraiment très con, mais ça, c'est autre chose. Mais en fait, c'est aussi parce que on est embrigadé, on est embarqué par la machine de la hype, et en fait on fait que répondre au marketing. C'est être hypé et être excité par la sortie d'un jeu vidéo, c'est la réponse normale et attendue. C'est tout est fait pour une sortie de jeu, pour aller dans cette direction-là. Je sais plus avec qui j'en parlais, c'est pour ça que quand j'arrive moi en disant bah en fait votre jeu il est pas ouf, bah je viens un peu pourrir l'ambiance quoi. Parce que ben c'est censé être une grande fête, la sortie d'un jeu vidéo. Voilà. Tout le monde est content, Assassin's Creed 28, ouh. Ce jeu est le GOTY, incroyable. Et en plus, ben, à côté de ça, il y a d'autres facteurs. Il y a le fait que ben, c'est extrêmement compliqué de s'en sortir pour la presse et pour les influenceurs. Donc ben, il y a une course au titre un peu racoleur, etc. C'est chiant, quoi. C'est pas évident. Ah, merde, je pensais que j'étais passé. Oui, c'est pour tout le monde. De toute façon, le discours un peu analytique à la sortie d'un truc culturel, c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Le cinéma, c'est plus accepté, parce que je pense qu'il y a un peu plus d'ancienneté, et il y a plus cette culture de la critique ciné. J'aimerais bien un jour qu'on en arrive à ce stade-là au niveau du JV. Non mais après le manque de politesse, les réactions à chaud, etc. Enfin, je veux dire, j'ai même des gens qui sont sur mon Discord qui m'ont balancé des insultes et qui derrière s'excusent parce que bah il y a aussi le côté, enfin je comprends, tu vois, t'es emporté par, t'as une espèce de hype, t'as une espèce de truc, tout le monde autour de toi est dans un délire de ça va être génial, c'est incroyable,
Bah évidemment que tu te laisses emporter. Et ça, ben, encore une fois, voilà, c'est le marketing. Hein, c'est, je veux dire, la communication du jeu vidéo, elle tourne beaucoup autour du fait de faire de la sortie d'un jeu un moment de hype. Parce que ben, la sortie d'un jeu vidéo et les tests d'un jeu vidéo, c'est contrôlé par les éditeurs. Pas dans le sens le contenu, mais le moment. Et vu qu'ils contrôlent le timing, les tests, tout le monde les sort en même temps. Là, à 16h, tout le monde a sorti son test de Dragon's Dogma. C'est normal. C'est l'heure à laquelle c'est censé sortir. Que les embargos, c'est pas le top départ, c'est la ligne d'arrivée, en fait. C'est ça le problème. Parce que si t'arrives en retard, j'ai sorti ma vidéo de FF7 Rebirth avec une semaine de retard, bah j'ai fait un nombre de vues inférieur à un let's play random d'un jeu indé, tu vois. Alors que c'est fucking Final Fantasy VII. Mais voilà, comme dit, les gens, ils sont embarqués dans la hype et ben, ils ont envie qu'on continue de s'amuser, de se faire plaisir. J'entends tout ça. Pour moi, le prix entre pas en ligne de compte, parce qu'en fait, je dis pas aux gens d'acheter le jeu à la sortie. Et je vois pas mes tests comme des prescriptions d'achat, en fait. Je vois pas mes vidéos comme des « achetez votre jeu ou pas ». Pour moi, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que je pourrais, par contre, le mentionner. Je sais que, par exemple, là, tu vois, pour te répondre très clairement, Alcon, parce que du coup, c'est à cause de toi que je suis en train de faire cette vidéo sur les histoires de tests. Je suis aussi en train de discuter là, avec GamesPlanet, on en parlait l'autre soir, en me disant « Tiens, est-ce que je reprendrais pas un code d'affiliation ?» J'en avais un chez GOG, mais ça s'est arrêté le programme. J'en avais un chez Epic, mais il n'y a plus d'exclus Epic, quasiment. Est-ce que je reprendrais pas un truc ? Et donc je me dis là, bon, ben, forcément, on rentre dans une autre logique. Parce que ben, si avec ma vidéo, entre guillemets, je vends des jeux... Peut-être que là, je le prendrai en compte, je le mentionnerai probablement. Mais c'est surtout parce que, ben... Moi, je considère pas que parce que tu as vu une de mes vidéos, tu vas acheter un jeu, en fait. Moi, je suis pas à votre place, donc je me rends pas compte. Quand il y a des gens qui me disent « Oh là là, mon portefeuille te remercie pas » ou je sais pas quoi, je suis là, mais... À aucun moment donné, j'ai dit qu'il fallait acheter le jeu vidéo. Attends, elle est top là, l'attaque après roulade. Ce petit coup d'estoc là, il est pas inintéressant. Et après, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que ben. J'achète plus mes jeux, donc j'ai plus ce rapport-là. Mais c'est vrai que je pourrais le prendre en compte. Et honnêtement, j'y avais pensé, parce que là, j'étais en train de discuter avec eux, là. Et je me dis, bon, c'est vrai que si je passe sur le truc de GamesPlanet, il y a moyen que je réfléchisse quand même à l'idée d'évoquer ça. Mais je veux pas que ça devienne, en fait, une espèce de critère. Parce qu'en fait, bah, rien ne vous empêche d'attendre, c'est... Le jeu vidéo actuel, t'attends 15 jours, le jeu il a 30% déjà dans le pif. C'est pas très compliqué quoi d'attendre un peu et de pas acheter Day One.
Alors, sur PC, il n'y a pas vraiment d'occasion, mais oui, sur console, il y a le marché de l'occasion. Et surtout, le prix, c'est, tu vois, c'est comme prendre en compte, par exemple, les soucis de framerate d'un jeu. Tu vois, tu prends en compte ça dans ta note ou dans ton orientation, enfin, dans ta critique, ça va changer. Souvent, tu vois, les problèmes que je rencontre dans une période de test, c'est des choses au bout de 15 jours, c'est plus pertinent en fait. Les gens qui regarderont ma vidéo plus tard n'y seront pas confrontés. Et je réfléchis toujours mes vidéos pour qu'elles durent dans le temps en fait. C'est à mon sens un des secrets de la longévité que j'ai sur YouTube. Je continue de sortir des vidéos qui continuent d'être regardées dans le temps. J'ai plus fait de vidéos. J'ai plus fait de vues sur mes vidéos Elden Ring en 2023 qu'en 2022, par exemple. Oui, l'idée c'est pas de faire un call to action, c'est pour ça que je réfléchis. Je sais pas encore si je vais le faire, le truc là, Games Planet, si je mets un code, si je dis aux gens, bah voilà, si vous voulez acheter le jeu, vous faites ça. Mais c'est que je veux pas que juste en disant si vous voulez acheter le jeu ou quoi que ce soit, tu vois, que ça soit pris justement comme une espèce de call to action indirect en mode FOMO, en mode oh là là, il faut acheter le jeu tout de suite, tout ça quoi. J'ai pas envie de ça. Donc j'y réfléchis, comme d'hab. Hop. Ah, j'avais fait un début de let's play sur Grime, ouais, c'était cool. Hop. Bon, bah, ça avance plutôt bien, là. Ça fait vraiment super plaisir hein, de retrouver une ambiance de live comme ça. Merci beaucoup, tout le monde. Merde. Je regardais le chat et j'ai avancé, j'ai oublié de sauter. Oui, mais je peux gagner ma vie sans ça, en fait. C'est juste... Comment on gagne sa vie, c'est important. Hein. C'est ultra important. C'est peut-être même une des questions les plus importantes et une des rares libertés qui nous reste aujourd'hui, si on y réfléchit. Donc, non, c'est important comme question. Je veux pas gagner de l'argent à tout prix en faisant n'importe quoi. Non, j'ai aucun mode graphique, là. C'est le jeu classique. C'est juste que je stream sur YouTube et que la qualité elle est bien meilleure que Twitch, si c'est ça ta question. Toujours la gravité. C'est le principe du run, hein. C'est pour le rappeler de temps en temps. Là, je l'avais croisé, c'était pas la première fois, je me souviens plus où on s'était déjà vu. J'avais peut-être croisé un événement FF7 Remake ou FF16 peut-être, Skyrim Armat. Mais du coup, là, on était ensemble le jour où on était allé tester, faire la preview de Dragon's Dogma. Du coup, après, on avait discuté quand on a reçu le jeu, on se parlait sur Discord. Parce que c'est très solitaire, tester des jeux. C'est un des trucs qui me manque par rapport à la... C'est un des rares trucs qui me manque par rapport à la rédaction, c'est comment je pouvais discuter avec d'autres gens quand je testais des jeux. Il n'y a pas de méthodologie, justement, Maluco Lapin. C'est ce que je me disais en faisant la vidéo, là, en l'écrivant. Il n'y a rien de formel. Chacun fait un peu à sa sauce. Je suis même pas sûr que beaucoup de gens aient réfléchi et conscientisé le truc. Moi, le premier, hein, j'ai absolument pas intellectualisé ou rationalisé ce que je fais. Du coup, là, ça a été un bon exercice de chercher à le faire. Et ça m'a donné des réflexions intéressantes. Donc, il n'y a pas une méthode en mode « je fais ci, je fais mi ». Tu vois, genre... Ah, là, je compte les frames. S'il y a moins de 24 frames, ça veut dire plus 0,3 points, plus 0,2 points, coefficient 4, etc. Il n'y a pas de méthode scientifique. C'est pas en train de faire une recette de cuisine, de pâtisserie, quoi. Mais justement, c'est intéressant de réfléchir à comment tu fais ça, quoi.
Ouais, je m'en souviens bien du let's play de Grime, il était très cool. Hein. C'était en plus un moment un peu charnière pour la chaîne, parce que c'était à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment comprendre que j'étais fait pour faire des let's play et pas des lives. Honnêtement, si c'était pas un jeu From Software, je pense que c'est toujours plus difficile de retrouver cette ambiance-là. Puis en plus, enfin, j'y joue presque en pilote auto. Hein. C'est pour ça que je tombe des fois, parce que je sais à peu près ce qui se passe, quoi. C'est le jeu en vanilla. Ouais, tout à fait. C'est la version classique de Elden Ring. C'est pas modé. Parce que je refais le jeu avant le DLC. Donc l'idée, c'est pas de... Si je le fais en mode avec Reforge ou quoi, ça va me... Je vais prendre les mauvaises habitudes, entre guillemets. Même si je trouve que Reforge est mieux que Elden Ring. Enfin, ça, c'est un des rares modes auxquels j'ai joué qui améliore le jeu d'origine. Dans les cas des From Software. Hein. Il y a tout un tas de modes qui sont vraiment bien dans d'autres jeux vidéo, mais là en l'occurrence, vraiment, j'étais bluffé par le résultat du truc, quoi. Ben, Grime, c'est un mélange entre un Metroidvania 2D assez classique, hein, façon Metroid Symphony of Night, mais avec un gameplay très orienté Souls-like. Hein. Reforged, c'est un mod de Elden Ring, donc qui est dispo que sur PC. J'ai fait un let's play dessus. Si jamais tu veux regarder ma chaîne YouTube. Si quelqu'un peut lui linker la playlist. C'était génial comment il est tombé, lui. Vous voyez, c'est ça le vrai build de gravité, tu fais tomber les ennemis. C'est Lord of the Fallen. Ça, c'était trop drôle. Hein. La mécanique d'extraction d'âme de Lord of the Fallen, qui permet de faire tomber les ennemis dans le vide, c'était du génie. A bientôt RGB. Comme Blasphemous. Oui, c'est un peu dans l'esprit de Blasphemous, c'est une bonne comparaison. Blasphemous est plus old school. Mais oui, c'est la même idée. J'ai pas fait Radan, non, tout à fait. Bon, je sais que Tenryu, toi, t'es vraiment un fan hardcore de FF7, mais non, y a pas besoin d'avoir fait... Y a même pas besoin d'avoir fait Remake pour comprendre FF7 Rebirth. Le jeu explique bien ce qui s'est passé avant, donc si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Et Crisis Core et tout, on parle de détails et de personnages que je vais qualifier, pour être poli, de nul à chier. Et donc, bon, ça apporte... Pour moi, ça apporte pas grand-chose. J'ai vraiment du mal avec tout ce qu'a fait Square Enix sur FF7 depuis qu'FF7 est sorti, quoi. Que ça soit Advent Children, Crisis Core, tout ça, c'est vraiment des jeux qui... Voilà. Désolé. Salon de débat. Bah, c'est bien. Moi qui papote depuis tout à l'heure. Et je serais vraiment curieux, en fait, de lire des retours de gens qui n'ont jamais joué à FF7 à l'époque, qui connaissaient pas forcément, qui n'ont pas forcément l'aura du truc, tu vois, enfin, qui sont pas trop influencés par le fait qu'FF7, c'est une espèce de cornerstone, de pilier de la culture vidéoludique, et qui nous disent ce qu'ils ou elles en pensent de ce FF7 de remake et tout. Non, Advent Children, c'est le film, ouais. Ah d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas récupéré le couteau dans l'autre donjon, à Voix l'Orage, parce que là je récupère celui-là, mais j'ai pas récupéré l'autre couteau. Si jamais vous pouvez m'y faire penser quand j'aurai tué Rennala. Putain, j'ai cru que j'allais choper son épée, j'aurais été trop content.
Ben, Suikoden, du coup, va y avoir Eiyuden Chronicles qui sort le mois prochain. Alors malheureusement, on a appris le décès d'un des concepteurs originaux le mois dernier. Mais là, le Kickstarter d'Eiyuden Chronicles, c'était il y a quelques années, et le jeu sort... je vais te dire une connerie, je crois que c'est le 24 ou le 23 avril. En tout cas, de toute façon, moi j'avais backé le jeu à l'époque, donc je recevrai mon code. FF7, c'est peut-être un des premiers jeux AAA de l'histoire du jeu vidéo. Un jeu vraiment avec un scope. Des ambitions, une envergure. Traduire scope par envergure, je pense que c'est pas mal. Une envergure de vraiment internationale qu'on n'avait jamais vue à l'époque, quoi. FF7, c'est des putains de pubs avec Daniel Beretta qui fait la voix à la télé, quoi. FF7, je pouvais montrer à mes parents à la télé en leur disant entre deux émissions, regardez, c'est ça que je veux, quoi. A priori, oui, il y aura joué au DLC avec ce perso-là. Est-ce qu'il y a d'autres stats up avec la force? Alors, dans le cas de mon build, puisque l'idée c'est de jouer avec un gros bouclier machin, ouais, il te faut de l'endurance pour que tu puisses augmenter ton poids et la quantité d'équipement avec laquelle tu peux te trimballer. Bon courage pour ton examen, Marc. En termes de mise en scène, Renala, c'est un de mes boss préférés. Arrivé une demi-seconde plus tôt, je pouvais en lui en caler un dernier. Et peut-être la faire saigner. Tant pis. J'ai pas réussi. Dommage. C'est rare que je la fasse en 3 fois. C'est génial de les localiser avec le son. Waouh, comment elle est loin! Parti en vacances toi ou quoi? Oui oui, toutes les rediffs sont déjà dispo en fait, Florent. Non, non, ah, j'étais stunlock. Dommage.
Non, je crois pas qu'il y ait d'utilité aux émotes dans le jeu, à part... Si, il y a pour la statue de Radagon slash Marika, quoi. C'est la seule chose, en fait, en train de me dire. J'ai essayé de me baisser et pas rouler. J'aurais peut-être dû juste rouler, par réflexe. Salut Kaburashi. J'ai oublié de me renvoyer l'ascenseur. La quête de l'homme soleil aussi. Je suis même pas sûr de l'avoir faite, mais ok. Bon bah du coup ça fait deux. C'est pas avec un sort la statue de Radagon. Ah si, peut-être. Si, peut-être, ouais. Et pour les tours de magie. Ah ouais? Vous allez m'apprendre un truc. Merci Mister George, bienvenue. Ah voilà, ça n'a rien à voir ça. Pauvre. Enfin, la version Reforge, elle lui rend tellement plus hommage. Je sais pas du tout, Yorin. J'aimerais, mais je sais pas du tout. Je voulais le couteau de Valorage. Oui, c'est vrai, merci. Ouais, on va aller le chercher. Alors, je sais plus du tout où c'est. On va passer par... C'est une zone que j'ai pas visitée. Je vois... Ouais, ça y est. Ça me revient. Hop. C'est là.
Enfin, c'est là. C'est un peu par là. Je sais ça, mais je vais aller le chercher. Avec plaisir, donne sa liste. Non, si c'est pas dans le coin, mais je confonds peut-être. Hein. Le couteau. Je sais que c'est dans une salle où il faut mettre une clé là, une lame clé. Mais je me souviens plus où, donc je me balade. Non, j'ai pas pu l'essayer, No Rest for the Wicked. C'est justement le mini drame entre guillemets. C'est un truc qui m'avait bien saoulé. Et là, non, ouais, c'est là. Au passage, tu récupères la meilleure deck du jeu. De Kuala Lumpur, eh bien. Salut à toi. Eh ben on est pas mal là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à récupérer dans ce château? Je suis pas sûr, parce que de toute façon j'ai fait la tour divine. Dans cette zone, est-ce que j'ai fait tous les trucs qui m'intéressaient? J'ai fait les oiseaux funestes, j'ai pas récupéré les fioles là qu'il y a ici à côté de l'entrée de la Siofra.
J'ai pas fait cette grotte, mais de toute façon, je crois qu'on peut pas y aller de ce côté. Il me semble que c'est... Enfin, y a une porte qui bloque, là. C'est là où on croise Alexander. Là, j'ai fait... Ça, j'ai fait... Ouais, je... Ah, j'ai pas fait... Ouais, oh, j'ai pas fait le château, là, devant Hurlan. On fout un peu, en vrai. Il y a la clé mort, quoi. Plus pour la, le fun. J'ai pas besoin d'emplacement de sortilège. J'ai fait Bock. J'ai pas fait l'invasion ici et j'ai pas récupéré... Je vais aller faire ça vite fait. Je vais aller récupérer la cendre de guerre serment doré. J'ai pas dit bonjour à Pat, c'est vrai, ouais. J'ai le demi-médaillon de Forfaroth, je crois bien. Ouais, Forhide, je l'ai, Forfaroth, je l'ai pas. Oh, you speak English, Charlie. Sorry. You speak English and you're following my videos. Thank you. Pourquoi tu testes pas le build avec l'âge sacrificiel? Je pourrais le faire. Je pourrais l'utiliser, la porter dans le dos, mais du coup j'aurais plus mon bouclier, donc ça serait chiant. Ah, t'es là, pardon. J'ai un accent français, tout ce qu'il y a de plus accent français, hein. C'est juste que je parle anglais. Je crois que c'est là où... Quel est ce talisman? Quel est ce Pokémon? C'est celui qui augmente... Ouais, ça permet de péter plus rapidement le... la stamina, enfin la posture des gens qui bloquent les attaques. I'm curious too, Letan. Mais je vois de toute façon sur les stats des vidéos qu'il y a des gens qui regardent dans des pays qui sont a priori sont pas francophones. Donc soit c'est des expats, soit c'est des gens qui tombent sur mes vidéos et les regardent avec les sous-titres. Sachez qu'il y a des sous-titres générés automatiquement. Qu'est-ce que tu disais? Il y a une grotte au nord. La grotte qui est là, toi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est la grotte avec l'ours. Ah, je voulais faire l'ours aussi qui était caché, tiens, je vais faire ça. À l'époque, il n'y avait pas. À l'époque, il n'y avait pas les traductions auto, mais là, ça fait quelques années. Oui, tu peux avoir une traduction auto, ouais. Des VPN? Ah, pour éviter d'avoir les pubs? Ouais, oh, je suis pas sûr. Parce que bon, les trois pays qui regardent le plus la chaîne, c'est les quatre pays, du coup, ça va être... c'est des pays francophones, hein. C'est France, Belgique, je crois, dans l'ordre. Et après, ça doit être à peu près ex aequo, Canada et Algérie. C'est lui, non, qui se transforme en ours? Ouais. Ah merde, c'est une chope ça. Câlin. Câlin. Ah, vous avez vu le changement pour le chat mobile là, il est top, je trouve, de YouTube live. Je suis très content. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de gens qui me suivent. Hein. C'est moins chiant à regarder. Ah,
Ah ouais, par contre, si j'ai un Kaiden en face, ça va être la galère. Ouais. Si tu pouvais le tuer, le l'ours, ça serait sympa. Oh, you used to live in France, I see, yeah. C'est cool de savoir que mon français est compréhensible par des gens qui parlent pas français. Mais j'avais déjà eu le truc, j'avais déjà eu des gens qui apprenaient le français et qui me disaient qu'en regardant mes vidéos, ça leur donnait une... J'avais une bonne prononciation. Je fais gaffe à ça. Dans une autre vie, sur Terre 2, j'ai lancé ma chaîne YouTube en anglais et pas en français. Et ça cartonne de ouf. J'aurais peut-être pu, je sais pas si j'aurais pu à l'époque. En vrai, non, j'avais pas spécialement envie, mais j'ai envisagé l'idée à une époque. Mais je pense que j'ai pas fait suffisamment de calculs. J'étais occupé par d'autres choses, mais j'ai pas suffisamment fait des calculs. Sur ça. Ouais. Je sais pas de quel... Enfin, je vois celle avec le golem, mais pourquoi tu me dis d'y aller, Olivier? Si c'est juste pour dire... Si c'est juste parce qu'il y a une... C'est juste parce qu'il y a une caverne, ou c'est parce qu'il y a un truc vraiment intéressant? Il a pris une balle perdue, lui, le Kaiden. Ah, le bouclier! C'est trop tard, j'en ai plus besoin, mais ça fait plaisir. Un talisman, d'accord. I've never stopped making videos, Charlie. In fact, I quit my day job back in 2014, I guess. So yeah, it's been 10 years since I'm on my own and yeah, living the life. Est-ce qu'un nouveau livre est dans les tuyaux? Pas pour l'instant. C'est vraiment du gros boulot et ce que je disais, c'est que j'aimerais bien ne pas refaire des livres où c'est que du texte. Là, maintenant que j'ai goûté à ce qu'on peut faire avec un studio comme Azobo pour Plague Tale, j'ai pas envie de revenir à des trucs plus classiques. Non, non, t'inquiète pas, Olivier. C'est juste que je me demandais, en fait, pourquoi tu me disais ça, parce que, du coup, je me demandais ce que tu voulais que j'aille faire. Parce que je peux y aller, hein, c'est pas loin. Avec plaisir, Bentham. Pas de soucis. Ah, il a été sonné là. Le thème gravité, en fait, c'est parce que j'utilise la cendre lame rocheuse, une cendre de gravité, qui augmente les dégâts de physique et de stun d'une arme. Et à terme, j'aimerais bien utiliser peut-être l'épée de Radan ou un truc comme ça. Y a pas un courant d'air... Ah si. Je crois que c'est par là qu'il y a une caverne. Ici, il y avait un piaf dans Reforged, mais
confonds peut-être. Pas grave, on se balade, hein, vous inquiétez pas, pas de... Ouais, oh, 60 000 runes, c'est rien. Hop, hop, hop. C'est le vide, ça. Attention, le Kraken! On en est à... j'ai fini l'académie, Lucas. Oui, il y a l'espadon des ruines, qui sera chiant à récupérer, non. Il faut... Comment il faut faire déjà l'espadon des ruines? C'est celui qu'on récupère avant le festival de Radahn, c'est ça? Ou je confonds? Les pré-tirés sont finis. Eh ben, GG, trop bien. Le talisman de la danseuse bleue. Oui, non, je vais pas en avoir l'utilité, mais c'est pas grave, on fera le golem. C'est marrant de faire un golem. C'est le build idéal pour les faire. Putain, les deux, ils étaient peinards en train de faire leur vie, là. Est-ce que je vais jouer demain? Peut-être. Peut-être. En ce moment-là, les soirées Elden Ring, ça fait plaisir. Après festival? Ah, on peut y aller. Le boss, on peut le faire avant. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais oui, d'accord. Du coup, je vois très bien. C'est le double boss, là, avec le creuset et je sais plus quoi, là. Le creuset et Staub. Pour les gens qui connaissent la cuisine, c'est une blague. Merci Léthen. On dirait qu'il fait jour chez moi. Et en fait, tu sais que j'ai juste une lampe de chevet. C'est juste que ma caméra, elle a un très bon rendu. Ouais, je t'en prie, Portacier. Bonne nuit à toi. Ouais, il y a plein de conditions pour l'avoir, ce combat. Moi, je savais même pas qu'il existait. Tu vois, j'étais même justement déçu, parce que bah, déjà, je... Ça me n'est pas là. Je n'aime pas Aradam. J'aime pas le combat contre Adan. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, j'étais quand même resté un peu déçu, parce qu'en plus, son château, à lui, il est pas ultra intéressant, quoi. C'est pas un beau niveau comme les autres. Bonne soirée aux gens qui y vont. Moi, je continue, hein, vous inquiétez pas, pour l'instant. Ah oui, c'est celui-là, je m'en souviens. Oui, oui, oui. Il y a les chauves-souris et tout le bordel, là. Ouais, elle est très très cool celle-là de caverne, très originale. Je trouve ça trop cool quand tu rentres quelque part et que tu arrives dans un autre design, hein, une autre architecture. C'est pareil, là, celle qui est par là, et qui permet de nous ramener... nous faire sortir de l'autre côté, j'avais trouvé ça génial. D'ailleurs, il faudra que je la fasse si je veux récupérer Machinette. Faut que j'aille où, là? Ah oui, bah, je suis con.
crois qu'elle est ensemble. Ah, il y a des pierres de forge 2 ici, c'est cool à savoir. Bonsoir si vous arrivez. Bienvenue, installez-vous. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment top, hein. Là, ça fait plusieurs jours qu'on stream, on est 800, 900 à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui sont sur, sur mobile. Ah, d'ailleurs, il faut que je pense à un truc. YouTube fait un peu un truc de salaud, là, depuis quelques temps. Il rajoute automatiquement... Bye, Charlie. Thank you. Il rajoute automatiquement des mid-roll, donc des pubs, au milieu de des VOD. Je trouve ça insupportable. Je sais pas du tout où il faut que j'aille, je suis perdu. J'arrive pas à voir où il faut que je saute. Est-ce que je peux sauter là? Parce que je, de mémoire, on teste. Ça va, j'ai le droit. Donc il faut que je pense maintenant, à chaque fois que je finis un live, de désactiver les pubs. Hein, parce qu'ils rajoutent l'option automatiquement, ces salauds. Et comme mes vidéos sont très longues et qu'ils rajoutent des vidéos à chaque fois que j'arrête de parler, il y a des pubs toutes les 5 minutes. Avec plaisir Antoine, de rien. Non, non, mais moi, ça me saoule. Tu vois, genre, je peux comprendre de mettre une pub en plein milieu quand c'est des vidéos de 4 heures et tout. Tu te dis, bon, ok, ça va, c'est de bonne guerre. Mais là, toutes les 5 minutes, genre 25 pauses pub, c'est infernal. C'est pas TF1, hein, c'est un live. Hein. Je crois qu'on arrive au boss, là. Ah, non, 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 on arrive à un endroit très intéressant. On récupère une arme très, très cool, hein. Ah merde, c'est une shop, ça. C'est moi, c'est un bide où moi je tombe. C'est ça le bide gravité, c'est moi qui tombe. Non, non, c'est pas agréable, j'ai pas envie de qu'il y ait 20 pubs par truc. Et gravité, ouais, c'est ça, en fait, c'est une forme de magie qui est utilisée par Radahn, et dans les faits, j'aimerais, je pense que j'ai envie d'utiliser son épée à lui, on verra. Sinon, je vais juste faire ça, hein. Voilà, c'est le build. Honnêtement, l'âme rocheuse, c'est tellement pété, c'est un build à part entière, hein. C'est, on en est là. Bah, je sais pas quel est le bon bloqueur de pub qui bloque bien les publicités de YouTube, mais si vous en avez un, allez-y. Hein. Moi, j'utilise YouTube Premium parce que c'est mon abonnement musique. J'avais déjà ça à l'époque de Google Music Vidéo, là, où je sais plus comment ça s'appelait, Google Music. Et bref. Non. Ah oui, c'est là. Ok. Ah oui, alors oui, c'est vrai. Ah, putain, j'ai pas pensé à ça, Nicolas Jean. C'est vrai que forcément, notre chaîne Fin du Game YouTube, elle a dû prendre suffisamment de galons maintenant pour qu'il y ait des pubs. Putain, j'y ai pas pensé. Bon, après, honnêtement, Fin du Game, écoutez-le sur une appli de podcast, vous aurez aucune pub, ça sera bien plus sympa. C'était le Kraken, c'était littéralement le Kraken, ouais, bien vu. Oui, maintenant ça s'appelle YouTube Premium, c'est vrai. Incroyable. Quel combat épique.
la difficulté, la violence, le challenge, le dépassement de soi. Toutes ces qualités ne sont pas nécessaires pour faire ce boss. T'es pas du tout obligé de commencer de zéro, Antonio, pour ton DLC. T'inquiète pas. Ok. Bon, bah, on commence à avoir fait le tour, là, des cavernes, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a... grotte par là, je sais plus laquelle c'est, celle-ci. C'est celle où il y a l'ours, qui est par ici, là. Je sais pas ce qu'on y ramasse. Il y en a une qui est juste en dessous. Qui est juste là, là. Il y a la boss gobelin ici. Enfin, de toute façon, il y a vraiment plein d'éléments que j'ai pas fait, ça c'est sûr. Ah tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais retourner tuer le boss là de... Est-ce que vous savez me dire laquelle des tours magiques là me permet de retourner à la zone du début? Là où on tue le boss du tout début là. La zone qui est là. C'est écrit à côté des TP. Ah bah... Si c'est écrit alors... Parce que c'était écrit sur Reforge, mais je suis pas sûr. La première, la deuxième. Précipice de l'anticipation. Ah putain, mais oui, c'est écrit, trop bien. Donc c'est ça l'anticipation, je crois. Trop bien. Merci tout le monde. Oui, je dis machinot et machinette, ouais. Ça, c'est une super épée, par exemple, typiquement. C'est pareil, c'est un build à part entière, ça, cette épée-là. Là. L'épée runique, elle est terriblement forte. Si j'étais fort et que je savais tuer ce boss là dès le début du jeu, je pense que ça serait sûrement un truc que je ferais. Mais je suis pas assez fort. Je roule sur le jeu. Oui. Je roule dans le jeu, sur le jeu. Non, non, bah oui, il est bien ce build. Hein. Il est très fort. Pourquoi je viens là? Ah oui, il y a un piaf à récupérer, je crois. Au fond. Oui, c'est ça. La porte là, hop. Avec une énième cendre, Osef. Ah non, mais je ne triche pas, moi, Maluko. J'aime pas ça. Ah, j'ai deux faucons, d'accord. Tac. Alors, ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire de beau? La tour divine, je crois que je peux pas y aller pour l'instant.
De toute façon, il n'y a pas d'âme de truc. Il y a la Siofra. Est-ce que j'ai besoin d'aller à la Siofra? Pas vraiment. Est-ce que j'ai envie d'aller à la Siofra? Peut-être. Je pense que j'ai plus envie d'aller récupérer de quoi améliorer mon épée et j'ai envie de monter à Altus. Ça va être ça, je pense. Hop. Pour la tour de Lurnia. Oui. C'est Rani, tout ça. J'irai voir Rani à un moment donné. La mémoire, c'est ce que je disais l'autre jour. Ça se fait aux dépens d'autres trucs. Si je me souviens d'un truc dans un jeu vidéo, je vais oublier une autre information. Et c'est la vie que je mène. Yes, la mine c'est pour Altus. Je vais pas prendre l'ascenseur. Et puis surtout, ben, en montant là jusqu'au dragon de magma, ça permet de récupérer plein de pierres qui vont me permettre d'améliorer la Morgenstern. Est-ce que je prendrais pas un level? Oh, ça va, ça va. Large. On est où là? Mec. Quelqu'un me demandait c'était quoi la différence entre Elden Ring et Dragon's Dogma, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans Elden Ring. Là, le chemin que j'ai fait, on aurait croisé énormément d'ennemis. C'est vraiment pas du tout le même délire en fait. Enfin, là, tu vois, je m'en rends compte qu'il y a vraiment des zones où c'est vide. Il y a des endroits où tu peux te balader tranquillou et juste kiffer quoi. Je me souvenais pas qu'il y avait un site de grâce ici. Et en plus, tu peux larguer les mobs parce que tu cours plus vite qu'eux, ouais. Ce qui n'est pas le cas dans... Enfin, dans Dragon's Dogma, de toute façon, tu peux pas, parce que si tu les largues, ça veut dire que tes pions, même si tu leur dis de te suivre, ils ont tendance à traîner derrière et ils finissent par mourir. Et du coup, bah, faut soit aller les ressusciter, soit aller les récupérer ailleurs. Et c'est chiant. Mais de toute façon, le jeu n'est pas pensé pour esquiver les combats, de toute façon. Si c'était possible, on pourrait le faire. Ça n'est pas le cas. Je vais aller récupérer la vouge du... Chevalier crépusculaire, qui apparemment est une très bonne arme force. Alors c'est pas un Souls-like Dragon's Dogma, donc c'est pas le même rapport qu'un Lord of the Fallen. Tu vas te calmer, oui. D'où t'as autant d'endurance, toi? C'est pas comparable. Ça donne quoi mes stats? J'en suis à 30 en force, 23 d'endu, 27 de vigueur. Le reste j'ai pas monté. Alors moi j'aimerais beaucoup qu'ils ne fassent pas vraiment évoluer leur système de quête, par contre j'aurais aimé qu'ils mettent un journal. Juste qu'on ait une information, tu sais, très vague, une phrase un peu sibylline du genre « j'ai croisé Varé, il m'a dit de le rechercher » ou un truc comme ça, tu vois, genre on prend des notes. On peut le faire à la main, hein, mais bon, c'est pas pareil. Mais il n'y a pas besoin, ouais, d'avoir des quêtes très structurées façon quête de jeux vidéo. Non, je joue pas avec les magies de gravité. Je sais que j'ai marqué force gravité, mais au final, c'est tellement fort, l'âme rocheuse, je vois pas l'intérêt de jouer avec autre chose.
Ouais, il faut un peu d'intel pour jouer avec celle de Radan. Donc j'ai récupéré déjà, je crois que j'ai 2 l'arme larvaire. Je sais plus. Enfin, j'en ai une, c'est sûr. Ça, je me souviens d'avoir chopé une. J'en ai une, ouais. Et sinon, pour le kiff, parce que tout à l'heure je disais je joue jamais autrement que pour le boulot, c'est pas tout à fait vrai. Quand même, ça m'arrive de jouer juste pour moi. J'ai relancé Wild Hearts, et putain qu'est-ce que c'est bien. Quelqu'un me demandait tout à l'heure si je pourrais bosser dans de la création de jeux. Honnêtement, je pourrais financer des jeux. J'aimerais bien être millionnaire, juste pour pouvoir aller voir les gens de chez Omega Force et leur dire voilà, refaites-moi Wild Hearts, on rachète l'IP à EA, on les emmerde. Et on fait un jeu ensemble. Mais sinon, non, j'aurais pas envie de créer des jeux vidéo. J'ai pas d'idées, moi, pour créer des jeux. J'ai des idées pour améliorer les jeux, ou les rendre, ou les affiner, ou quoi que ce soit, ou... Mais pas forcément pour les créer. Alors moi elle marche bien la version PC de Wild Hearts maintenant, mais c'est vrai que c'était pas le cas à la sortie, mais maintenant elle marche bien. Et donc ça il paraît que c'est ouf comme arme. Regardez une vidéo là qui classait les meilleures armes et apparemment c'est ouf. Ah c'est vrai que c'est sympa ça. J'ai fait un test hein, de Wild Hearts. Si tu veux aller regarder ce que ça donne, Antonio. C'est du Monster Hunter, donc faut aimer Monster Hunter. Mais je trouve que c'est tellement une proposition cool. C'est du Monster Hunter et en même temps ça l'est pas. C'était vraiment génial. Qu'est-ce que je regrette? Et je pense que c'est bon. De toute façon, je m'en fous. Il n'y a rien de plus là. Hein. Ah, il y a tout le bordel là avec... avec la tour là et ah ouais tiens je vais aller là. On va faire ça. Ah, moi j'ai bien aimé le design des monstres. Non mais il y avait des trucs qui étaient améliorables hein, dans Wild Hearts. C'est juste que je trouve qu'il y a, un truc quoi. Quelque part d'ailleurs, il y a un peu le délire, c'est un peu ça que j'essaye d'exprimer dans mon test de Dragon's Dogma, c'est qu'il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent, mais il y a trop d'obstacles. Wild Hearts, bon, il y avait des petits obstacles d'un point de vue purement technique, mais le jeu était quand même bien mieux fini et plus équilibré quoi. Après, le jeu, il doit être dans le EA Pass, ou je sais pas comment ils appellent ça, chez eux, là. Donc au pire, ça peut valoir le coup, si vous avez envie de l'essayer, de juste prendre un mois d'abo et puis de vous désabonner, ou une connerie comme ça. Hein. Allez pas acheter un jeu juste parce que j'ai dit que j'adorais, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, trop de pression. Thank you.
Ah, puis là, les remakes de Soul River et tout, vous pouvez oublier maintenant. Maintenant que Eidos, tout ça, ça n'existe plus. On a acheté 8. Ah putain, dommage. On n'était pas loin, hein. Oui, c'est Embracer. Qui a récupéré Square Enix, l'avait vendu pour une bouchée de pain. Je l'ai pas fait, Sunbreak. Non, ça m'avait un peu déçu, en fait. J'avais jamais fait d'extension, j'avais pas joué à Iceborne. Et Sunbreak, ça m'avait vraiment déçu que j'ai passé 100 heures sur la version PC de Rise pour arriver jusqu'au... Comment il s'appelle, ce con? C'est une espèce de dragon qui fuse, qui fait genre... Et qui tombe et qui explose là, que tu pouvais débloquer qu'au rang 100. Et j'avais pris vraiment très longtemps à farmer pour monter mes rangs, arriver jusque là. Et arriver dans Sunbreak, en fait, je me retape les mêmes mobs que je devais tuer au début de Rise. Mais version énervée, et c'était chiant, je trouvais. Peut-être le Valstrax, ouais. Je sais plus, je suis désolé. Les noms des ennemis, des fois, je les oublie. Et il était cool en plus, hein, ce dragon-là à battre. Enfin, de toute façon, Rise, moi, j'ai beaucoup aimé, c'était très bien. Mais j'ai relancé World, pareil, la semaine dernière. En fait, j'avais des envies de gameplay Capcom, là. J'ai joué à Dragon's Dogma et j'étais tellement frustré que ça soit pas aussi carré que ça. Il y a un côté vraiment très bordélique, très brouillon. Du coup, j'avais envie de relancer Monster Hunter. C'était très très drôle. Bah là, moi, c'est que ça m'avait cassé mon power trip, tu vois. C'est-à-dire que j'avais tout un set Valstrax avec mes doubles épées. Et j'en étais super content, j'avais la super armure, j'avais les sets, j'avais tous les talents comme il fallait et tout. Et je me faisais bolos par un putain de Baros en rang maître, tu vois. Et j'étais là, bah, ça me fait chier, quoi, votre histoire. Voilà, désolé, je suis très... très grossier. Je viens jamais ici. C'est un des endroits où je ne viens jamais dans le jeu. Je m'en rappelle même pas. Merci beaucoup le dame. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait Iceborne. J'aurais bien aimé. Je pourrais potentiellement parce que je crois que je l'ai sur Play 4. Parce que sur PC j'avais jamais fini de partie. The World. Je crois que je l'avais sur Play 4. Mais le truc c'est que je joue plus à la lance maintenant. Et j'avais envie de jouer autre chose. Là sur World j'ai découvert la Morpho H. Et génial, vraiment. Je pensais avoir du mal avec des armes évolutives et au final j'ai adoré. Enfin, c'est du coucou exalté quoi. On va se calmer un peu les loulous là. Mais peut-être je le ferai, peut-être je le ferai. J'avais vraiment hésité à refaire un let's play
Ça se trouve, je rejouerai peut-être un peu. Je sais qu'il y a le set. Ils ont ajouté le set du gardien, là, je l'ai vu en relançant Monster Hunter World, qui te permet en gros de faire tout le contenu de base jusqu'à Iceborne, sans trop te faire chier, à farmer et tout. Donc peut-être que je pourrais faire ça et me refabriquer genre une morpho hache ou des doubles. Parce qu'en fait, c'est rigolo, j'ai appris. Avec Rice, j'ai appris à jouer à d'autres armes. Et ça me fait la même évolution que j'avais avec Dark Souls ou Demon Souls. Au début, je jouais vraiment avec le bouclier en mode j'ai trop peur et tout. Et la lance, elle est parfaite pour ça. Et là, dans Wild Arts, je joue au parapluie, qui est une arme qui fait des contres et qui est exceptionnelle. Vraiment, à jouer, il y a un fun. Donc, je sais pas. Est-ce que je vous ferai un petit let's play ou un petit live de Wild Arts à l'occasion, hein, si ça vous dit. Ou une petite VOD, je sais pas trop. Parce que ça, malheureusement, ça faisait partie des jeux dans lesquels j'avais été un peu coupé court. Je voulais faire des guides de ce jeu-là. Le Wild Arts, j'avais commencé. Et il y a eu l'affaire Wolong, malheureusement, qui m'a donné envie d'arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas du tout où je suis et je suis perdu et je suis désolé, je tourne en rond depuis 5 minutes. Est-ce que l'épée de la nuit ardente c'est l'épée qui fait le rayon magique, là? Carrément partant pour du Wild Earth, partante. Pardon. Ah bah cool. Je sais pas, ouais, si ça peut... Moi, je sais que je kiffe. Ah, il y a un site de grâce, là. Sérieusement? Ah, oh, mais quelle violence cette tour là! Bref, ouais. Non, malheureusement, Wild Arts, j'ai vraiment peur. Hein. J'ai envoyé un petit mail aujourd'hui à Koei Tecmo Europe pour leur dire que voilà. De la force pour le studio. Putain, ça marche même quand t'es collé! Mais comment on y monte dans cette tour de merde là? Je vais trouver. Ça doit pas être par là. Non, c'est pas ces tours-là, en fait, je suis en train de me dire. Je l'ai trouvé. Ah, c'est là. Ah oui, il y a l'œil de Sauron, là. Je tue les types là-haut, là, c'est ça? Ah mais oui, moi pareil, hein. Vraiment, Wild Arts, ça a été mon gros coup de cœur du début d'année 2023. Hein. Ah mais du coup, j'ai mes runes. Hein. Faut mettre des lunettes de soleil. Hein. Est-ce que... Attends, sinon je vais peut-être équiper des trucs qui me font résister à la démence. Comment on voit la résistance à la démence? C'est encore une de leurs résistances à la con, ça. Malmort, démence, donc la focalisation. Donc il faut que je me focalise. 23 de focalisation. 27 de focalisation, je suis très focalisé là. 24. 55, putain, je suis tellement focalisé. 15, 39, incroyable.
Alors, on voit pas mes cheveux, mais par contre, ce swag. Rentrez chez vous, là. Ça, la Fashion Week. Alors, il faut que je me cache, donc il faut que je vienne ici, j'imagine. Faut que je passe comme ça, là. Ça a pas l'air de marcher, notre histoire. Ici, ça marche. Merde, je suis plus focalisé là. C'est bon. J'ai plus d'eau. J'allais me focaliser une gourde après. Et donc là, bah, je vais peut-être courir jusqu'à l'échelle. Merde. Non, laissez-moi mourir. Non, laissez-moi vivre, plutôt l'inverse. L'inverse. Ne me laissez pas mourir. Voilà. C'est pas un peu fini ce bordel? C'est t'as l'impression d'aller chez tes voisins pour gueuler. Ah oui, on peut soigner sur les échelles, très utile. Très très utile ça. Ok, alors, maintenant que je suis là. Vike, il faut aller jusqu'ici. On va déjà aller aux deux. Mes runes, dit-il. C'est vrai ça, mes runes. C'est du détail. Moins d'un million, est-ce que ça compte vraiment? J'ai bien le chat. T'es rune! Ah bah, 77 000, c'est quoi? C'est 2-3 niveaux. Piccadilly. Le Piccadilly. Ok, alors. Jean-Roger, l'arbre, il est là. Par contre, je peux pas descendre. Ah si! Ça se tente, ça. Ça se tente. Allez, viens là, toi. Maintenant que je suis focalisé comme jamais. Oh, regardez cette focalisation. Ah, j'étais plus focalisé là. Oh, tu fais mal hein. Mec qui casse des arbres et tout.
Est-ce que, bah, je sais pas, est-ce que t'as envie de faire un New Game Plus, Hugo? C'est ça la question qu'il faut se poser. Plutôt ça la question qu'il faut se poser, ouais. Ça, tu fais bien comme tu le sens. Hein. Salut les gars. Désolé, j'ai tué votre vos divinités là. Pour la fin, les espadons de Radahn, peut-être, peut-être, peut-être. De toute façon, je vais les récupérer, ça c'est sûr et certain. Avec plaisir, Jonathan. Merci beaucoup hein, pour la réception de test là, de Dragon's Dogma. Moi, ça m'a fait un grand plaisir. Par où qu'on monte? Ah non, il faut que je retourne au village. Moi, je l'ai toujours dit, hein, avoir la classe, c'est important. Et bonjour. Sincèrement, je crois que je suis venu une fois ici. Je sais que j'ai tué Vike une fois en me disant tiens, je vais y aller. Donc j'ai dû le faire pour le guide. Et c'est tout. C'est vraiment tout, quoi. C'est rigolo, ces endroits qui te paraissent pas familiers du tout. C'était là, genre... Je suis jamais venu, là. Qu'est-ce que je fous, là? Ah, t'es là. Oh non! C'est long de venir jusqu'à toi, là. Exagère, on avait une bonne dynamique, là, tous les deux. On avait un bon duo. Tu me tapais, je te tapais, tu me tapais, je te tapais. Faudrait que je récupère... Où est-ce qu'on chope le talisman qui rend de l'endurance plus vite? Vous savez ça? Ouais, j'étais pas super focalisé. Pas super focalisé, je pense que je vais me refocaliser un peu plus. À base de... Tiens, je vais... Si je résiste... Et si je résistais aux attaques physiques? Trop lourd là, vous me saoulez un peu avec vos histoires. Charge moyenne. Mais par contre... D'où j'ai récupéré ça? Le sceau scarifié de Radahn? Je me rappelais même pas. Regardez cette collection, printemps, automne, été, là. Incroyable. Dans un lac à Nécrolimbe. Ah ouais, j'ai fait ça, moi? Ah, peut-être le loup cramoisi. Dans une geôlière. Ah, je m'en souviens. Wouah, l'attaque de ouf. Ah oui, oui. Bah il est cool lui. Bon bah je reviens. Ouais, clairement gros manque de focalisation là. Salut Anas. Eh ben de rien. Merci à vous d'être là.
toute façon, Vike, moi je pense que c'est le type, tu sais, qui est un peu énervé. Je vous fais le lore à ma sauce, mais... le gars, il est sur l'artwork de Elden Ring, mais tout le monde s'en fout. Genre, la première figurine, le premier morceau de merchandising qu'on pouvait acheter, c'était la statuette de Vike, et tout le monde s'en foutait, parce que personne savait qui c'était. Et donc, il est super dégoûté. Vraiment mauvais perdant, le type. Bon, Alexander lui a volé la vedette, et du coup, il est deg. Voilà. Je vois pas d'autre explication. Oh, tu vas me casser les rouleaux, toi, je sens. Ouais. Et merde! Wouah! Il a un rayon laser! Oh, tu sais en faire des trucs avec tes yeux, toi. Ah bah super! Que moi je me soigne. Ah, ça fait du feu! Trahi par la portée de son arme! Ah, c'est drôle! Oh. Tu veux pas saigner de temps en temps? Allez, faut mourir. Non! Non, t'as pas le droit, c'est interdit. Tu vas pas me faire le coup du 1 PV. Voilà, c'est pas toi le protagoniste là. Saloperie. Le fruit des doigts? Qu'est-ce que c'est? Un talisman? Ça se mange? Qu'est-ce que c'est? Globe oculaire jaunâtre et incandescent. Offert à une jeune femme aveugle. Ah, c'est pour la quête de machinette? Comment elle s'appelle? Henriette. Henrietta. Ayeta. Ayeta. Pas Henrietta. Est-ce qu'elle est focalisée, la servante, vous pensez ou pas? Oh, elle est super focalisée! D'accord, qui c'est alors? Il est porté par les servantes obéissant aux deux doigts. Ah ben, elles sont focus. Hein, elles dévouent leur existence à un sans éclat élu afin de le guider, lui impartir la sagesse des deux doigts. Ah bah super. En fait, dans le jeu, c'est prévu qu'il y ait quelqu'un qui nous aide, mais Vike l'a tué. Tout ça parce qu'il est jaloux. Je trouve ça d'une mesquinerie, d'une étroitesse d'esprit, vraiment. Scandaleux. Ok. Alors, il y a la tour machin chose là pour récupérer, mais ça on s'en fout. Et moi j'avais dit au départ on devait faire la mine. Hein. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ou 3 heures. Moi, je pense que sauver le monde avec un pantacourt, c'est un peu ça, la vie qu'on a choisie. Voilà. Parfait.
Je joue toujours avec la 8-bit Do, ouais. Elle tient le choc, hein, ça fait déjà longtemps que je l'ai. Elle tient beaucoup plus en termes de fiabilité que la manette Xbox Elite. Hein. Écoutez, je suis influenceur, n'achetez pas cette manette. Ma manette, c'est une. Donc la marque, c'est 8 bits Do. Et le modèle exact, c'est une. Une Pro 2. Avec le layout des manettes Nintendo. Donc du coup, j'ai A et B inversés. Ou alors j'ai A et B à la bonne place, selon comment vous voyez les choses. Ah, pour moi, c'est évident que Vike, il est deg. Hein. Le type, il était censé devenir le héros du jeu. Il avait même son artwork. Il s'était motivé. Il avait fait le casting. On lui avait dit, c'est quoi mes motivations en tant que personnage dans ce jeu? Bah voilà, vous êtes deg et vous allez poster sur un artwork. Et personne ne saura que vous existez. Il s'est dit, non, c'est pas possible. Si je suis sur l'artwork, forcément, je vais être connu. Sa mère lui avait dit ça d'ailleurs, elle avait dit c'est bien mon fils. C'était son breakthrough, hein. C'était vraiment son moment charnière dans sa carrière d'acteur, mais... Raté quoi. Raté. Terrible histoire. Qu'est-ce que je raconte comme connerie ? Je méprise mon public, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Vagram qu'on voit? C'est qui Vagram? Je sais même pas qui c'est. Merde. Ah. Bah oui. Je me souvenais qu'il y avait un truc, mais voilà, j'avais oublié où c'était. Désolé. J'ai rien hein, pour me soigner là. Faudrait que je prenne un niveau à l'occasion. Je sais plus ce que c'est ce truc là. J'ai envie d'aller le récupérer parce que c'est rigolo de tomber, mais j'hésite. J'ai farm toutes les armes et platiné Elden Ring pendant le mois de sa sortie. Waouh, ok. Est-ce que depuis tout ce temps, il y a du nouveau contenu? Non. Le jeu est le même. Par contre, t'as un DLC qui sort le 21 juin. Après, il y a eu des petites mises à jour, tu vois. Il y a eu des petits ajustements, des armes nerfées, des armes augmentées. Mais rien de... Si t'as fait le platine, a priori, c'est bon. Ça va. Idée assez claire du jeu. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que t'es empoisonné, bah tu peux plus être empoisonné.
Salut Félix. Eh ben, de rien. Merci à toi. Salut Mickey. Un arc runique, ok. Ah oui, il y a eu une arène de PVP, oui, c'est vrai. Bah, si t'aimes le PVP, ouais, tu peux effectivement faire ça. Non, mais je pense qu'on s'est juste mal compris. Gob, j'ai peut-être fait une blague et t'as cru que je parlais aux gens alors que je parlais de Vaik ou je sais pas quoi. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Ah oui, j'avais dit que je prenais des niveaux. On va en profiter pour aller voir Hugh. Je vais lui vendre mes runes à la con. Je sais pas si je peux lui vendre des trucs. Je sais pas, Félix. Je sais pas. Pour l'instant, je suis bien avec, donc je vais la garder. Où Sam, ça y est, t'as fini? Comment ça va? Arrêtez de dire du mal de Elden Ring. Oula. C'était bien alors? C'était quoi, Alone in the Dark? Alone in the Dark. Il est super. Ah bah cool. Je suis ravi si ça te plaît. Bon, bah là j'ai 106 000. 106 000, ça compte pas. Ah, je peux pas faire et améliorer un truc. Et après, bah, je vais monter mon enduit, je vais monter. Ça serait cool si je pouvais avoir encore plus la classe. Charge moyenne. Ah, cool! Trop bien! J'ai tué Radahn, non, j'ai tué Rennala. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je sais plus. J'ai récupéré un couteau ici. J'ai fait des grottes. J'ai tué Vaik. Et là, je suis en train de monter jusqu'à Altus. J'ai fait un machin Arbre-Monde ici. Et je me suis focalisé. Voilà. Je me suis beaucoup focalisé. Je suis très très focalisé maintenant. Je sais plus les quêtes. Donc, on va reprendre. Hop, on retourne à la maison là-haut. Tac. Moi, je l'aime bien ce casque, hein. Avec la petite plume et tout. Genre, comment ils font tenir une plume? C'est une plume ou c'est peut-être une sculpture? Ah oui, non, c'est un truc sculpté. Putain, le point de colle. Pas de la pâte à fixe, hein, je te le dis, moi. Ah, il y a un truc? Ah oui.
Alors, le casque est moins joli que la coupe. Je suis d'accord avec toi, Sam. Mais bon, voilà. C'est pour... C'est pour des questions de pragmatisme et de statistiques. Ruine dorée. Je suis déçu, je pensais que j'aurais trouvé plus de pierres. Il faudra que j'aille faire une mine dans Altus après. Ah, il y en a là. Ça a l'air d'être cool. Ça serait trop bien, mais il m'en manque. 4, il m'en manque 2, je crois. Non, parce que le lore, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus dans le jeu. Mais la coupe, elle est toujours là, Maluko. Elle est cachée, mais elle est là. Elle est dans nos cœurs. Comme le meilleur Final Fantasy, un peu si tu réfléchis comme ça. Hein. Lacrima des musclés. C'est quelqu'un qui pleure pour les musclés. J'avais fait latin au collège. Vous avez des questions? J'avais rencontré Corbier, il s'appelait. Parce qu'il était à Toulouse. Il était venu quand... Il est venu acheter je sais plus quoi quand je bossais à Darty. Framboisier, il est mort aussi. Putain, je savais pas. Je sais même plus lesquels c'est. Hein. S'il y en avait un qui ressemblait à Magnum. Il y en avait pas un moustachu? Non, je confonds. Si, si, il y en avait un moustachu, ouais. Il y en avait un avec une vieille coupe. Ouais, en gros, il reste Bernard Minet, quoi. Eh bé. Il y avait pas un mob qui chante. Ah, je viens de tuer le mob qui chantait, d'accord. Je regardais pas. C'est quand même fou, car dans tes guides, j'ai l'impression que le lore, tu étais plus intéressé. Non. Non, non. Pourquoi je donnais cette impression d'être intéressé par le lore? Non, je devais donner des infos, tu vois, d'ordre général, que je pouvais comprendre par moi-même. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Il fait toujours des concerts en convention. À l'époque où je faisais Speedrun Live avec Damdam et tout, on le croisait à chaque convention. Tous les un ou deux week-ends, on était là-bas. Bon, c'était rigolo, 5 minutes ton truc gob, mais c'est chiant maintenant. Et donc ouais, voilà. Bernard Minet va jouer au Hellfest, eh bien. Je suis assez d'accord avec ça, Malo, ouais. C'est vrai que s'il y avait quelque chose pour consigner le lore, c'est pas mal. Non, pas par là, pas par là. Hop là.
Je fais pas de musique, moi. Ah, la musique de, que j'écoute. J'écoute de l'électro, principalement. Ok, bah là, normalement, je devrais avoir assez pour améliorer mon arme. Merci beaucoup, Unarmed. Unarmed, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Daft Punk, mais oui, je pouvais écouter des trucs comme Daft Punk, ouais. Alors Shiba, c'est du trip-hop. J'ai eu ma période aussi, ouais. Ça va, oui. Alors. Ah oui, ça date, les speedruns, ça date. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Non, ma nana, elle écoute du métal. Moi, je suis pas trop. J'ai eu une micro-période où j'en écoutais un peu au lycée. Parce que beaucoup de gens en écoutaient à cette époque-là. Mais j'étais déjà trop... J'étais déjà trop tombé dans le... Dans le puits électro. Bon, après, j'écoute pas que ça, hein. Mais c'est quand même globalement ce qui va constituer ce que j'écoute, ouais. On a une scène électro très sympa, d'ailleurs, ici, avec la... Avec la salle de la laiterie à Strasbourg. Ok, je vais aller voir André. Lui mal d'automne. Youg. J'ai peut-être aller me chercher de l'eau aussi si je continue. Oui, je sais que c'est varié le métal, j'ai rien contre, hein, c'est pas... Alors, renforcer une arme. Bim. Boum. Bam. Voilà. Là, ça va commencer à faire bien mal, hein. 304, pas mal. J'ai vu des super concerts à la laiterie. J'ai vu Rhône plusieurs fois, Tilassine qui est passé. Il y avait French 79, mais j'y suis pas allé finalement. Hein? Ah non, c'est là. Gezafelstein sont passés à la laiterie? Ça doit être cool, ça. J'aimerais bien les voir en concert. Archive, je les ai vus. C'est pas de l'électro, mais je les ai vus. J'avais dû les voir à un festival Solid Days ou un truc comme ça. À l'époque, je faisais des festoches. J'étais jeune. Ah, sérieusement? Et oh, oh. Bah, alors.
Quand même. Après, moi, avec mes lunettes, les concerts de métal, c'est pas recommandé, hein. Hop! Et nous voici à Altus, enfin. Après 23 vidéos où je dis que je vais y aller. C'était trop drôle, ça. Sans contre dans le DLC. Non, attends, je joue pas à Reforged là, Thierry. Je joue à Elden Ring tout court. Donc ça, c'est la mécanique qui est dans Elden Ring, elle sera aussi dans le DLC. Je serais excessivement surpris si c'était pas le cas. Archive, j'avais découvert à l'époque de Bullets, justement. La musique qui était dans le teaser de Cyberpunk en 2012. Alors, ça date de beaucoup plus longtemps, la musique, mais j'avais découvert là. Ou avant. Non, je crois que j'en avais entendu avant. Bah oui, non, mais qu'est-ce que je dis? Parce que l'album avec Fuck You, c'est encore plus vieux. Encore beaucoup plus vieux que ça. Je vais aller re-remplir ma gourde, je vous laisse avec le bonhomme comme ça pendant 2 secondes. Je mets pas de pub, on s'en fiche. A toutes. Je sais plus ce que c'est cette grotte, mais on va aller visiter. Il
J'active pas l'autobot, c'est quoi l'autobot? Ah, genre un truc qui joue à ma place, ça, ça serait drôle ça. Salut poète guerrier. Oh, les musclés là. Exerve, j'ai pété. Merde. Il est pas. Elle est sympa cette grotte. Il y a plein de trucs dedans. Bah, ça dépend de ton PC, mais sur le papier, il est déjà très très joli hein, sur Play 5, Elden Ring. T'auras peut-être une finesse d'image qui sera meilleure sur... sur PC. Je sais pas où il faut aller, en fait. Moi, j'assumerai pas le violet jusqu'au bout. J'assume le violet jusqu'au bout. Il y a un boss là. Est-ce que le build est intéressant en PVP? J'en ai aucune idée. Je suis désolé Alan et Lyon. Je joue pas en PVP donc je pourrais pas te dire. Ah bah. C'est le même boss où on peut rentrer à deux endroits différents. Je m'en rappelle plus. C'est deux boss différents. On va aller voir. Assassin des couteaux noirs. Ah, c'est l'invisible. Ouais. Ah oui, merde. Je croyais qu'il allait juste me taper dans mon bouclier. Il me faut une torche, je crois, pour lui. C'est chiant, du coup. C'est pas là où il faut la torche que t'achètes à Altus ? Peut-être bien, hein. Je vais aller voir l'autre. Geoffroy. Non, ça va. Je vais... Non, je vais continuer encore un peu, là.
Torche des sentinelles, ouais, c'est ça. Eh ben, j'irai la chercher. Bonsoir. Non. C'est terrible quand même, t'as des ennemis avec des épées immenses qui se font renvoyer leur épée dans mon bouclier, et lui avec son fléau, non. Moi je crois qu'il triche. De toute façon, les assassins des couteaux noirs, c'est... je sais plus comment elle s'appelle là, mais il y a une cendre des guerres, c'est une des meilleures du jeu, hein, elle est ultra violente. Hein. Alors elle a peut-être été nerfée depuis, mais il y en avait une, je l'avais laissée faire Malenia toute seule. Je sais plus comment elle s'appelait. Je l'avais montée au max et j'étais allé voir, j'avais laissé dans un coin, Malenia, boum, au revoir. Tiché, elle s'appelle. Merci le chat. Oh oh oh. Ah bah non, je suis bloqué par un caillou. Les cailloux, mes mortels ennemis. Elle est où cette torche? T'as un marchand à Altus. Je dirais que c'est à peu près par là. À peu près par là, tu sais, c'est après le champ de bataille où tu croises Margit Bis, là. Ah, vous me saoulez, là. Tous les deux, là. Comme jamais. Voilà. Ah oui, mais du coup, j'ai perdu mes runes. C'est pas grave. On va aller chercher les... Je vais aller récup, de toute façon, à un moment donné, la carte. Sam, je te montrerai. En fait, Tiché, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a une énorme mobilité. Ils ont des mouvements qui leur permettent de se dégager de la mêlée et de la portée de Malenia, qui est dingue. T'as une chaîne YouTube qui fait que ça, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez sûrement déjà vu... vous savez, c'est des vidéos qui disent, genre... 10 Malenia contre 100 soldats, ou Malenia contre 50 soldats, ou un truc comme ça. Ils font des espèces de fights entre les ennemis. Ah merde! Ah, il y a un chasseur de répouvré. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Voilà. Ah, lui, il se fait renvoyer son épée. Le mec, il m'attaque avec une molaire de dragon, tu sais. Lui, il se fait renvoyer son truc. Oh, l'armure, elle est jolie.
pas le chapeau, par contre. J'ai pas un truc qui peut me soigner du poison? Non, j'ai pas appris à le faire. Les parfumeurs sont très relous, ouais. Les parfumeurs sont bien, bien relous. Flacon de parfum. Ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait, les papillons naissants. C'est un truc de craft, mais c'est genre un truc très rare, ce que j'en ai compris. Y a pas une porte ici? Dans mon souvenir, il y a une grotte. Non, il y avait eu une news pour dire que Let Me Solar, il a arrêté de jouer. Ah, il y a des planches dans le sol. Exact. Qu'elle est trouvée. Talisman de parfumeur. C'est dommage que ça arrive aussitôt. Aussi tard, pardon. Ça faisait partie des idées, très mauvaises idées, hein, je le dis tout de suite. Mais à mon avis, jouer parfumeur, je suis pas sûr que ça soit intéressant, mais c'était l'idée, quoi. Ah, non, c'est à ça que je pensais. Je pensais à la catacombe. Oh, salut Loïc. Comment ça va? Au Japon. Petit message en coup de vent, je garde la VOD pour le soir, pour te féliciter sur le mignon sur la vidéo d'Elden Ring, trop cool, merci à toi. Ah putain, waouh. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais... Oh, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, Geoffroy, c'est possible. Je sais pas. La catacombe des aberrations. J'aime pas ce bruit du tout. Ah! Salut Shadowgo, à bientôt. Alors, l'armure est réprouvée. Elle est très focalisée. Elle est très immunisée aussi. Ce qui est à peu près logique d'ailleurs, quand on y réfléchit. Mais est-ce qu'elle est jolie? Eh ouais! Bon, les bottes, c'est pas ça. Hein. Est-ce que je remets mon pantacourt? Là, on est pas mal. Sérieusement ? Mais...
Je vais me soigner. Un petit côté roi mage. Ah, peut-être, ouais. Il frétille, lui. C'est l'effet du look. Et... Pour l'instant, ouais, Simon. J'ai pas trouvé mieux encore. Après, j'ai pas trouvé beaucoup de gros boucliers, hein. Je crois que j'ai récupéré le bouclier runique. Je pourrais remplacer éventuellement. Parce qu'il est plus léger. Mais il a beaucoup moins. Il a un peu moins de garde. Après, il est plus léger. Donc ça peut être. Ça peut être sympa aussi. Et puis ça va bien avec le look de mon perso là, pour le coup. Tu vois, il y a un petit côté doré là. Je sais pas si on peut l'améliorer en l'infusant. Est-ce qu'on peut améliorer la garde en infusant un truc? Je suis pas sûr. Ah bah oui, non, il faut que j'aille trouver le... Hey, t'es là toi? Hop, je vais me soigner. C'est plus cohérent au niveau fashion, on est d'accord. On est complètement d'accord. Ouais, oh, t'inquiète Mohamed, je vais trouver. Si les cadavres se mettent à bouger, on va pas s'en sortir. Ah, c'est trop fort les boucliers. Il joue en tongs. Non, j'ai des petits souliers quoi, tu vois. C'est vrai que c'est pas les chaussures les plus glorieuses. Mais bon, si je veux un pantacourt, sinon j'ai un short. Et je trouvais que pantacourt c'était pas mal. Eh ben de rien, Maxime. Merci à toi. J'ai eu peur. Carboss.
ça va. Bon bah voilà. Tout ça parce que j'avais de la classe. Je pense que c'est legit, hein. Ah, en plus, c'est joli de dos, là. Il y a le lion, là. Putain, mais... C'est bizarre que j'ai des petits lags comme ça. Est-ce que j'ai peut-être changé mes pilotes récemment? Il y aurait une ch'touille? Je sais pas. C'est que tous les deux ou trois niveaux de forge. Ok, et ben merci pour l'info. La gravité, c'est juste pour la lame de roche, en fait. La lame rocheuse, pardon. Qui est la cendre de guerre que j'utilise présentement. Il n'y a rien ici, là. En fait. Ouais, il n'y a que dalle. Moi, j'adore la musique d'Altus. Voilà. Parmi les musiques d'ambiance, je pense que c'est une de mes préférées. Et oui, on peut esquiver le dragon. Tiens, j'ai pas eu l'invitation au manoir. L'arme de Radam fait de la gravité, c'est son concept. C'est là, je crois. Avec plaisir, cette gecko. Ah, elle file, elle est cool aussi, ouais. Vrai qu'elle est sympa aussi. Ah ouais, non, mais moi, je casse les standards, Geoffroy. Je suis comme ça, moi, j'ai pas peur. Le pavois chromé du coucou. Ouais, mais du coup, faudrait que je le farme. Mais peut-être, hein. Peut-être on fera ça. La maison qui est là, plutôt. Il y a un site de grâce, là. Ah, c'est pas là où on croise Pat, d'ailleurs. Quand il revient, après. Le souci de Lendel maintenant, c'est qu'à cause de Carbot Animation, à chaque fois que j'y vais, j'entends le Epic Sax Guys. C'est chiant.
faux départ. Voilà, là ça sera plus efficace. Niveau combien? 55. Mais je pourrais racheter des crevettes, j'ai récupéré la perle. Et là, hop, elle, Ria va faire Sangoku. Tchoui ! Et hop, elle est là. Est-ce que je vais battre Radahn ce soir ? Non, a priori. Quoi déjà les crevettes, c'est le truc qui te rend un peu plus résistant, c'est ça? J'utilise pas les consommables dans ces jeux. Ouais, le journal de quête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mohamed. C'est vraiment un des trucs qui manque. Tu vois, genre, pas un truc en mode super précis façon journal de quête RPG moderne, mais juste une petite note du genre, voilà, vous avez croisé quelqu'un qui voulait vous inviter dans un manoir. N'oubliez pas. Merde. Merci le bouclier quoi. Ouah. Le mec il m'a pris pour une pizza. Je t'ai déjà répondu Nico. Emmerdeur. Hop. On va pas faire Together maintenant. On va aller récupérer la carte. Gros bisous de MTP. MTP c'est quoi? C'est Montpellier? Montréal? Est-ce que tu trouves que les serments manquent? Non, bah non, parce que les serments c'est que pour le PVP. Et du coup, moi je fais pas de PVP, donc je m'en fous. Alors, je vais aller récupérer le truc. Il y a le machin de Eleonore aussi, là. Eleonora. Je vais aller tuer Godric.
Y a plein de choses à faire quand on arrive à Altus. C'est vraiment une zone que je kiffe. Quand je lis le chat, je me prends des arbres. Super. Dis-moi les gars. Je trouve ça très cool les jeux qui proposent des ennemis qui sont pas des vrais ennemis, genre tu vois ils sont pas vraiment dangereux, le niveau de dangerosité de ces machins est quand même très très limité. Pardon. Est-ce que j'ai vu la dernière vidéo de Iron Pineapple? Non. Non, je regarde pas trop de vidéos d'Elden Ring, c'est assez rare. En général, quand je regarde des vidéos sur YouTube, c'est des trucs qui n'ont aucun rapport. Oh, j'aimerais bien que tu saignes un peu. Je le tape pas. Ah voilà. Je le tape pas assez. Sauter sur ma chaise en même temps, tu sais. Oh, oh, what? Ça va bien, oui? Non mais... D'où t'as failli me one-shot? Bébé? Merci tout le monde.
Ouais, je me suis pris les deux dégâts en même temps. Ça m'a surpris en fait. Je me suis pris l'espèce de coup de vent là qu'il envoie. Plus le coup de la hache. C'est le bouclier runique qui s'appelle, je crois. Non, le bouclier bestial doré, rien à voir. Tu le chopes quand tu bats le boss de la zone du tout début, là, la chapelle de l'anticipation. Non, il va venir avec tous ses potes, lui, ça va être chiant. Le chevalier, c'est pareil, il a une belle armure. Elle est jolie, leur armure, à eux. La version jaune. Cool. Alors... Il faut que j'aille j'aille faire les grottes, je pense, à l'occasion. Pas très envie. Je pense que je vais plutôt aller aller de l'autre côté. Peut-être aller débloquer l'Endel. Aller faire la sentinelle. Si j'ai assez de dégâts, on verra. C'est possible que ça soit que je commence à voir un peu les limites de la petite Morgenstern, on verra. Salut Brice. Tu passes une bonne soirée? Ah bah ça me fait plaisir du coup. Moi aussi, franchement, pas de regret, ça fait plaisir. Il y a le Sanctuaire au nord du plateau. Ah oui, il donne sa double épée, là. Voilà, ici, il y a beaucoup de gravité, là. Gravity Land. D'ailleurs, il y a un boss à la noix. Je vais le faire. Là, elle est pas améliorée tant que ça, elle est 14. Enfin, si, ça va, c'est... Disons que ça colle avec le niveau où j'en suis, quoi. Au départ. Putain, mais... Laisse-moi respirer. Quoi, c'est hitbox? What? Trois coups dans le vent là, ça me saoule un peu. Ah puis j'ai plus de quoi me soigner, ça va être chiant. Non, ouais. Ok. Bah pas là. Je pense que je vais faire quoi? Je sais pas. Ah, il y a une effigie de Marika. Oh bah si, allez, vas-y. C'est le temps. Merde, mes runes. Ouais, bon, tant pis. Il y en a trois des bestioles stellaires dans le jeu. T'en as une dans la grotte, là, que j'ai déjà vue. Il y a celle-là et il y a celle en haut du volcan.
Ouais, bah je me suis pris une voilà, je me suis pris une hitbox de merde, ça arrive. Bah, ah oui, non, c'est plus loin qu'on monte. Ah, je l'ai pas faite la sentinelle au début du jeu. Faut que j'aille la faire. Ça va me faire de l'entraînement pour celle du début. Oh merde, putain, juste au moment où je relève mon... Pile au moment où je relève mon bouclier. La caméra est morte sur ce mouvement. Oh! Sérieusement? Putain, l'enchaînement est si rapide que ça. Ah, j'ai pas pris le site de grâce comme un con. Je vais devoir me retaper le chemin. Bon. Je vais peut-être arrêter là. Je commence à fatiguer. Je vais juste aller récupérer le site de grâce. Je suis où? Ah ouais. Oh, ça fait chier. Faire la petite sentinelle pour me consoler, et c'est tout. Ouais. Il n'y a rien de spécial à récupérer à la Siofra. Même dans l'autre version, tu vois, j'ai même pas la Eldastel ni rien, donc... J'ai juste allé choper le site de grâce quand même, pour la forme. Ah, merci beaucoup, Xenkive. Ah, t'as de quoi faire, hein. Si tu commences juste fin du game, il y a de quoi faire. Et il y a... Et on a un nouvel épisode qui sort vendredi, du coup. On est quel jour, là? On est mardi? Mercredi? Mercredi. On est même jeudi depuis quelques minutes, c'est vrai, techniquement on est jeudi. Prochain épisode de fin du game, c'est sur Don't Starve. Et il y a le marteau ici aussi qui est pas mal, hein, en version saignement là. Pas mort dans le coin? Ah, il y a la carte ici. Trop bien. Oh cool. Hein. Bon, bah, ça commence à ressembler à quelque chose cette carte. Alors, la sentinelle. Hop. Ah.
Ah oui, c'est pas la même. Ouais. Bah tes cousins, ils sont plus forts. Ok, alors, ça c'est fait. Et du coup, bah, je vais revenir ici. Tac. Et on ira récupérer ouais, le marteau et tout, on fera ça peut-être, on fera ça la prochaine fois. Je vais aller me coucher quand même. Ok, et eh ben écoutez, merci beaucoup. Prochain live, peut-être pas demain, parce que je voudrais éviter de streamer tous les soirs. Donc peut-être plutôt vendredi. Après, j'exclus pas l'idée d'avoir envie juste de lancer Wild Arts à un moment donné. On verra. Et vous aurez ma vidéo de Rise of the Ronin demain à midi, du coup, si ça vous intéresse. Et puis, bah, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Il faut que je pense à désactiver les pubs automatiques, parce que sinon la VOD, ça va être relou. Et puis, bah, bonne fin de soirée, bonne nuit. À la prochaine. Ciao tout le monde.